mal partout. J'préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Allô, tu veux quoi? Bah, bonsoir mon commandant, ça va? Non, je peux te parler. Pourquoi? J'en ai marre de toi, Riz. Pourquoi? Mais du coup, Adam, tabassé les gens, t'as tabassé un pour moi hier. T'as pas honte? Non mais, ça compte pas, moi j'étais pas en stream, mon commandant. C'était hors série. Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Tu fais quoi? Bah rien, et vous? Bah je suis dans le bureau là. Vous avez élu le nouveau capitaine ou pas encore? Non, pas encore, j'attends un petit 22h30. 22h30? Ouais, ils ont fait déjà un dispatch. Vous avez mettre qui du coup? Ah, surprise. Ok, ça marche. Ça marche, mon commandant, j'arrive. Ouais, tout à l'heure. Bureau tout en haut? Ouais, capitaine, ouais. Pretend to not know. En vrai, je sais pas, y a un monde où c'est pas menti ce soir. Ça se trouve, je lui ai menti et. Ça se trouve, je lui ai menti. Hein. Je fais Zarma. Hein. Oui, allô? Oui, allô, c'est 93. C'était juste pour vous dire, les portes sont encore fermées au niveau du truc de DEA. Oh putain, ok, j'arrive. En cas où s'ils reviennent ce soir. Je vais m'en occuper, ouais. Ça marche, merci. Pas de soucis, plaisir. Et oui, parce qu'en fait, c'est gros con. Enfin, c'est gros con, c'est moi. C'est moi. 86, code 7. En fait, le portail il était fermé. Du coup, ils ont pas pu faire le truc de hacking. 4. Ok. Du coup, ils étaient là. Ils étaient là, mais bon, franchement. Tu peux venir me rechercher la méta, s'il te plaît. Ça se trouve, ils avaient un bon plan, tu vois, mais bon, ils sont réglés otages. Je sais pas, frère. En fait, ça me fait chier parce que j'ai décidé. J'ai reçu un appel de Michael Darwin qui me disait qu'en quoi il y aurait des camions qui transporteraient de la drogue vers 23h. Juste faire attention au niveau des autoroutes si vous voyez pas quelque chose. J'ai des idées, mais j'ai pas envie de les cramer. Ça, je pourrais m'en servir quand je serai illégal parce que sinon, après, je vais arriver. Bah, je pense les deux, on sait jamais. Parce que sinon, quand je vais arriver en illégal, j'aurai plus d'idées parce que tout le monde l'aura fait. Vous avez entendu en radio? Et les gens ils vont me dire ah, alors t'as vu? Haha! Haha! T'as vu, c'est pas facile alors qu'en vrai c'est trop facile de faire les trucs. 18-19 sur le dernier braquage de Superette, 1,9 km. Non mais c'est. Voilà, c'est n'importe quoi. Commandant, capitaine, lieutenant. Bonjour Riz, ça va? Oui, allo, ça va? Allô, profite. Qui est à l'appareil? Toi? Super. C'est Glenn. Oui, quoi? Et tu vas te détendre là. Je t'appelle parce que j'ai reçu un appel de Michael Darwin. J'ai entendu. J'étais ah, radio. Tu l'as entendu? Oh ouais, j'étais okay. Radio. Ouais. Peut-être que ça va être dans le nord, donc si tu veux venir. Ah, le nord, ils ont besoin de renforts. Ça, vous avez besoin d'aide. Vous pouvez pas vous débrouiller tout seul. Non, ce n'est pas ça, c'est que t'es de la DOA. On appelle la DOA à la rescousse. Eh ben, on va venir, la DOA. On va venir. Tu veux ne pas venir, Riz? On va vous prêter main forte. On va vous prêter main forte, les petits artistes de merde. Allez, on arrive. Allez, d'accord. Ce qu'ils veulent. Oh, ils ont besoin d'aide, hein, mon commandant, ils ont besoin d'aide. Il y a une vache qui se fait martyriser. Ouais. Oui, allô. Ah, super. Ouais, mon champion, comment ça va, monsieur Tyson? Ça va, tranquillement. Je suis bureau lieutenant. T'as entendu l'info là par rapport au. Ouais, camion, ouais, à 23h? Ouais, faudrait qu'on fasse un truc HP avec la DOA. Ouais. On bloque les autoroutes et tout. Vas-y, c'est bon. Vas-y, on se fait ça. Vas-y. Pas besoin de 10-35. Mais vu que je demande tous les 4 du mois de la communication entre tout le monde, ah, vous en avez pas. Alors 22 là, hier a dit ouais. Que vu que c'était pas inscrit dans le code pénal, on n'avait pas le droit de retirer des permis. Moi-même, moi le premier surpris à devoir annoncer la mise à pied d'un agent pendant 48 heures, notamment d'un lieutenant, ça, alors que je ne sais même pas ce qui s'est passé, à part sur l'opération quoi, directement. Vous avez vu un si demain vous me retirez des permis, t'es cool, d'accord? Bah oui. C'est pas... ça y est, on va pas, faut arrêter de se baser sur des papiers, arrêtez. Enfin, ça c'est une mission, faut avoir aux agents, d'accord? La chance. C'est bien pris, comment... Cade, vas-y rentre. Qui était mis à pied, je sais pas. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir lieutenant Cade, vous allez bien? Pas lieutenant pour le moment, je suis mis à pied, mais bonsoir à vous. Non mais tu vois, ça c'est ça ton problème. Tu veux que je fasse rire pour une vraie raison, Riz? Vas-y. Le plaque, je suis le GOAT, le gay of all time. Derrière le Rise Invader. Je suis certifié en plus, c'est ça. Cade of all time. Mais c'était quoi? Je te jure que t'es même pas le gay of all time. Je connais au moins 3 gays qui sont plus des gay of all time que toi. Ah ouais? Ouais.
Parce que c'est des fofolles, c'est ça. 24-18. Bon, bref. En fait, bah, vous rédigez le rapport et après vous reprenez votre service, Kaïd. Hein. Pourquoi t'es mis à pied, Kaïd? T'étais avec Charlie? Hein? Non, non. Il a tiré sur Mendoza. Tiré sur Mendoza. Mendoza. Explique dans les grandes lignes. Mendoza. Tête de New Order. Dans les grandes lignes, en gros, il avait un système de sécurité. Le cœur qui s'est activé et tout. Non, mais les grandes lignes avec lui, je te jure, elles sont jamais. J'ai fait les grandes lignes. Il avait un système de sécurité qui était relié à son cœur et les agents étaient piégés. Il fallait le neutraliser. Du coup, je l'ai neutralisé et tout le monde n'a pu sortir. Et il est mort? Non, il est vivant. Ok. Non, justement, ok, il a fait en sorte qu'il soit blessé, mais qu'on puisse sortir. Qu'il puisse sortir. Et là, il est en prison? Il est où? Il est à l'hôpital sous très haute surveillance. D'accord. Ben, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer, par contre. Donc, vraiment cru qu'on en avait passé fait votre travail, vraiment. Oui, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une. En sortant, j'ai dit je donne mon nom à Maki parce que je savais que j'allais faire l'objet d'une enquête. Une enquête de quoi? Bah, une enquête, c'est la procédure. Quand on neutralise quelqu'un qui n'est pas armé, on se soumet à une enquête pour savoir si c'était sous la volonté de nuire ou non. Putain, s'il avait dû faire ça à chaque fois, commandant. C'est ce que j'allais dire. Ah, mais t'as pas fait face à Charlie, toi, Charlie la procureur. À ce moment-là, regarde la dernière fois, les hauts blocs dans l'usine de boucherie, je sais pas quoi là. Ah pareil, du coup, il faut que les agents soient mis à pied, hein, pour l'enquête. Ah, bah, faut dites ça à Charlie, hein. Enfin, pas Charlie Hunter, mais Charlie la procureure, parce que c'est celle qui m'a mis à pied. Oui, bah non. On l'encule, Charlie la procureure, on l'encule. T'as un mot à me dire, je lui pète le cul. Enfin, avec mais là, du coup, c'est une décision du DOJ, donc c'est une décision du juge ci, donc il faudra avoir avec lui. 3 km. T'as son numéro? Si vous voulez, on est à 2 km, on peut y aller, si vous voulez. Elle répond pas, j'ai essayé de l'appeler. Ok, après, bah, c'est le commandant, je pense qu'il va répondre. Si on y va, du coup, Adam 02. Le numéro, c'est le 71-54. Je suis pour 24. Si. Vous allez récupérer 67 et partir et en Adam. Si quoi, je peux lui transmettre un rapport directement. Bah, je suis en train de le rédiger. Bonsoir, monsieur le justice, vous allez bien? Non, ça va pas, je vous ai au téléphone, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oulala. Ça va, vous inquiétez pas. Kyle, il peut reprendre son service, hein, c'est bon, non. C'est réglé. Non. Voilà. Et pour qui? Deux jours de mise à pied. Donne-moi, je l'appelle. Pas grand chose, commandant. Donne-moi, je l'appelle. Aïe. Commandant. C'est quoi son numéro? Adam 30, on est en code. 71-54. Ok. Dites-vous, vous me connaissez quand on me demande des récits, je fais des récits, d'accord? Là, je suis en train de leur rédiger un RI, et c'est un livre. Je vais faire regretter de me demander un RI, oui. Pour moi, oui, maître Cid, comment vous allez? Je suis en train de donner tous les détails. Je vais bien, monsieur Chrono. Vous allez bien? Ouais. Ok. Ok, bon, cool. Par rapport à Kate, parce que nous, c'est notre lieutenant. Et oui, je comprends tout à fait. Et donc, du coup, il est mis à pied deux jours parce qu'il a neutralisé quelqu'un? Oui, mais c'est tout le temps que j'ai appris pour retravailler. Je vais vous dire, maître Cid. Est-ce que vous savez combien de personnes je neutralise par soir? Donc, du coup, vous me menacez de mort, monsieur Chrono? Non, pas du tout. Bien sûr que non, je ne menace pas de mort, ça. Mais c'est quoi ce raccourci là? J'ai peur, vous dites que vous croyez personne vous tuez par jour. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre métier, on est policier. Des fois, pour faire face à la justice, on se doit neutraliser les gens. Si jamais la rumeur court comme quoi dès qu'on neutralise quelqu'un, on va être mis à pied pendant deux jours le temps de l'enquête, le souci c'est que nos agents vont tous mourir un par un puisqu'ils finiront par neutraliser plus personne. Ah mais ça, écoutez, c'est le bureau du procureur qui a choisi la sanction, je comprends tout à fait, je vais reparler avec eux, voir c'est pas une sanction, c'est le temps de l'enquête, ce n'est pas une sanction, d'accord monsieur Chronos? Ouais mais on a besoin de lui, je vous assure, on a besoin de lui, là le commandant il me demande de vous appeler, c'est que vraiment même lui il est dépassé là, et là il est dépassé, et le truc c'est qu'en plus, Cade il a neutralisé sous l'ordre du commandant. Hein. Je vous demande juste de reconsidérer la sanction quoi, entre guillemets. Je vais appeler le bureau du procureur, d'accord? Ce qu'ils en jugent. Je n'ai pas plein pouvoir sur le bureau du procureur. Bien sûr, maître Cid, mais juste voilà, ce qu'on demande côté SASP, c'est est-ce qu'une fois qu'il a envoyé son rapport, il peut reprendre son service? D'accord, je vais demander ça, monsieur Chrono, et je rappelle votre commandant au plus vite, d'accord? Non, mais rappelez-moi directement, maître Cid. Ah oui, je fais ça. Bah super. Non mais risque, il me permet de récupérer ma place. Je vous appellerai, je resterai avec vous le temps que Kate sera pas remis en service, d'accord mon maître Cid? Non, on n'est pas obligé. Faites au plus vite maître Cid, sinon je vous colle. Ça va. Bien fraîche. Voilà, ça va. Bah, j'aurais tout vu, risque, il me permet de récupérer ma place. Tu l'as mérité cette place de lieutenant, voilà, c'est tout.
T'es le meilleur, sache-le. Ouais, je sais. Eh ben c'est bien, mes petits lapins. Ouais, ben c'est bien, super. Voilà, super. Impec. Bon, je la donne à qui la tenue, du coup ? Eh ben tu verras dans 5 minutes, ok ? Bon, moi, je continue à rédiger mon rapport, je vais leur faire regretter de me l'avoir demandé. Je vais avoir de la lecture. Collègue, pas de contre-call en radio. Qui dit ça ? Appelez-vous en radio SV1 ? Je vous le dis, qu'est-ce que vous le faites ? Romain. Ah, Gobain. Ok, c'est bon. Bien. Vous pouvez, si vous voulez, 26. On est beaucoup en service. Ouais, je pense. On va venir vous récupérer au poste. On est pas mal, ouais, mais une réunion crime, donc ils sont beaucoup, ils sont 7 occupés. Réunion crime, mais non. Mais sinon, on a du monde, ouais. Je vais pouvoir partir en dehors. Oh, Riz, donne-moi les clés, s'il te plaît, du local. Eh bien, ça tombe bien parce que Riz doit aller les voir, la crime. Je dois aller voir la crime, à quel sujet, moi ? J'ai pas les clés, Shane, je suis pas con. Ah, si, attends. Eh ben, tu te rappelles pas, Riz ? Ben, normalement, c'est bon, hein, si jamais t'es là. Si jamais t'es là. Ok. Gracias de quoi, toi ? Pourquoi je dois aller voir la crime ? Tu dois pas aller voir la crime. Ben pourquoi ? Pourquoi j'irai voir la crime ? Ben je sais pas, réfléchis. Je suis pas spécialement fan de lui. La MCD, crime. Et pourquoi je devrais aller voir la crime ? Ben je te demande. Non, je dois pas aller voir la crime, Oui, j'ai... J'avais bien compris, mais non, tant qu'on n'a pas des... Bonsoir, 75. Allô ? C'est la justice au téléphone. Waouh, quel charisme. Et j'ai une proposition. Si vous avez une mauvaise réponse, vous finissez dans le caniveau ce soir. Non, c'est pas une solution, commandant. C'est pas une solution. Alors, commandant, moi, ce qu'il faudrait, au DOJ, il nous faut quand même la déposition du monsieur qui est dans le coma, d'accord ? Si le monsieur se réveille et qu'il donne sa déposition au DOJ, il sera là ça demain. Une possibilité que monsieur Kate puisse travailler, d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est pour l'innocenté. Après, si vous voulez que j'accepte votre demande, à ce moment-là, regardez, comprenez, je vais prendre l'exemple de Mazheimer et de Charlie Hunter. À ce moment-là, je relâche toutes les faits qui sont inculpés à mademoiselle Charlie Hunter et... Mais et c'est pas une question... Non, là, c'est pas une question de ça. C'est que là, c'est une personne, ok, qui est dans le coma, ok. Heureusement, parce que si ça avait été, ne serait-ce que par exemple Riz Chrono devant lui, je pense que la personne serait morte, pour être honnête avec vous. Et de deux, c'est sous mon ordre. De trois, Cade a très bien fait son travail parce que de base, la personne devrait être morte. Oui, mais la personne devait être morte pour que ça fonctionne. Elle était pas armée, monsieur. La personne devait être morte pour que les agents puissent sortir. La personne n'était pas armée. Prenez. Oui. Elle est armée d'explosifs. C'est la personne, c'est la personne ce elle-même qui m'a demandé de la neutraliser pour faire sortir les agents. Est-ce que vous comprenez le fait que si le mec restait en vie, tous les agents seraient morts. Il y aurait une vingtaine d'agents morts. C'est soit ils mouraient, les agents sortaient, soit ils mouraient pas, les agents mouraient. Vous voyez ? Et noir mais non, parce que le bunker il allait péter quand même. Il y avait des bombes tout autour. C'est un terroriste quoi. Donc moi je veux bien prendre la déposition d'un terroriste qui a pris beaucoup d'agents en otage, qui a tué un agent, on le rappelle. Hein. Comment se réalise-t-il ? Il y en avait un qui était mort. Pendant que vous êtes au téléphone ? Il y en a un qui était mort durant la nuit. Enfin, voilà, 113 pour. Aïe ! 113 pour les collègues, tout le monde parking s'il vous plaît, le commandant il a besoin de nous parler. Compris, la 10-4. Merci. Je vous annoncez pas. Venez me chercher s'il vous plaît, du coup, 44. On va essayer de voir avec 30 juste c'est après. C'est 98 qui est l'agent qui a mis un bracelet à Raphaël. La casquette dans le PDP s'il vous plaît, monsieur. Pas moi. Si. Bah quoi ben, retirez cette casquette, on a besoin de voir votre visage. Écoutez, enlever le bracelet. Je vous remercie. Tout va bien, on peut vous aider, on peut vous aider, madame. Bonsoir, non, je l'accompagne juste. Oh d'accord, vous êtes un accompagnatrice. Il a personne, il a eu aucun vous l'escortez quoi. Pas vraiment. C'est l'agent qui est en charge du dossier. Ah, si, vous l'accompagnez, non. Vous l'escortez quoi. Il a pas son matricule, juste son nom. On peut dire ça, ouais. Vous êtes son accompagnatrice, vous êtes son escorte quoi. Je vous appelle. Oui, bon. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas. J'ai dit quelque chose de mal. Ah non, c'est juste lui qui a dit escort girl. Ah non, juste c'est une simple escorte quoi, c'est ça ? Ouais, je suis son garde du corps. Voilà, le garde du corps. Ouais. Hein. Garde du corps. Exactement, ouais. Vous êtes sûr, je peux rien faire pour vous, madame, vous êtes sûr ? Ah, 100% sûr. Ah si, j'ai une petite question. Oui, bien sûr, dites-moi, je suis tout oui. Pour changer la photo sur la carte d'identité. T'étais où, Chiro ? Ça se passe comment ? Alors là, madame, moi, si vous me demandez comment neutraliser 4 hommes avec une seule arme, je peux vous répondre, mais ça, je peux pas vous dire.
Ah d'accord. Voilà, je suis désolé. Ok, bah y'a pas de soucis. Bon bah excellente soirée à vous madame. Et toi, attention à comment tu viens coutrer dans le PDP, d'accord? Si, bien sûr, bien sûr. Super, super. Pardon, pardon. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas marqué son matricule. Allez, tout le monde sur le parking, là, on se bouge le cul, la 98, dépêche-toi, 98. C'est stupide parce que s'il demande la dépression d'un mec. Gardez vos gilets, les rookies, gardez vos gilets. On sait jamais. Pour cette fois-ci. Waouh, mais il y en a du monde. Oui, oui. Un respect, sergent chef, comment t'allez-vous? Ça va, 18. Ça va bien, vous? Allez, ça va, 11. Un respect, sergent chef. 18. Ok. 30, 30, 30. 30, pardon, mais non, mais comment? 93. Avec Sophie 1, s'il te plaît. Le Rouquin, Tyson, 26, Benito, 03. Le mec qui ressemble à Benito, 01. 5, le chauve là. Le blondinet. Le mec avec les binocles. Le mec qui ressemble au mec avec les binocles. Kazei. Le mec qui ressemble à 30. Ça, c'est des rookies, je vous connais pas. Ça, c'est. Et ça, c'est qui ça? 69. Espèce de petite pétasse 69. Tu crois que je t'ai oublié? Mais. Comment ça? Mais est-ce que tu crois que je t'ai oublié? Wow. Mais non. Déjà, les rookies, je sais que Zut, il vous a dit l'inverse, mais mettez votre gilet de rookie, on a besoin de vous identifier quand on est au PDP. Ok. 69, hein. Vous savez 69, on est en sous-effectif. Elle est en train de twerker au Bahamas, au lieu de prendre ce service. Quoi? Ouais. Ouais. C'est une dinguerie. Quoi? Ouais. T'as fait ça, monsieur? Et quand je lui ai dit pourquoi je rends pas ton service, elle m'a dit j'ai pas envie. J'ai dit mais donc là il y a des collègues qui vont mourir parce qu'on va être en sous-effectif. Elle m'a dit j'en ai rien à foutre. Donc les collègues, si jamais 69 elle fait une backup 1 ou une backup 2, vous lui direz d'aller se faire enculer, d'accord? Non, quand même pas. Si, si, vous lui direz comme elle, elle m'a dit d'aller me faire enculer quand on avait besoin d'effectifs. Ah ouais, 69! Bah dis donc. Viens ici, 69, viens ici. Viens ici. Tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Viens ici. C'est vrai, t'as dit ça? Viens ici. Non, j'ai pas dit ça. Vas présenter tes excuses à tes collègues de leur avoir manqué de respect et les avoir laissés crever comme des chiens. Tu vas voir, toi, tu vas voir la maison. Écoutez, mes collègues, mes chers collègues d'amour, je suis vraiment désolé de ne pas avoir twerké à l'unicorne. Non, d'avoir twerké, d'avoir twerké. Elle twerk pas, c'est fou. D'avoir twerké au Bahamas, plutôt, je suis vraiment désolé. Plutôt que de prendre ton service. Non, t'as le droit de twerker au Bahamas. T'as le droit de twerker au Bahamas, t'as le droit. Tu twerk, tu vas voir toi. Mais tu peux pas twerker au lieu de prendre ton service. Vas-y, refais. Ok. Je suis désolé d'avoir twerké au Bahamas au lieu d'être venu vous aider alors que vous étiez en sous-effectif. Si, si, c'est elle, c'est elle. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. 69, je me rappelle. Je ne le ferai plus jamais de toute ma vie. Sur les collègues, mes respects. Et quand je pourrai me mettre en service, je me mettrai hors service. Oui, tonton, quand écoute. Je pourrais me mettre en service, je me mettrai en service. Je suis qu'un gros sac à merde. Allez, dis-le. Bah non. Dis-le. On accepte des excuses. Je suis qu'un sac à merde. Ouais, allez, allez, ouais, allez, revends en rang, le petit rookie de merde, la petite pétasse. Putain. Bon, les collègues, autre chose. S'il vous plaît, déjà, du respect pour votre capitaine, là. Votre capitaine, il est là, un petit peu de respect pour lui. Je suis encore 3 minutes techniquement, donc oui, merci pour... Faites-le kiffer parce que c'est bientôt terminé, d'accord? Oui. Ouais, merci capitaine. Ouais, merci à vous, poète. Ouais, merci capitaine, merci. Notez bien les passages en capitaine de vos collègues parce que à la fin, on vous demandera des feedbacks. Des feedbacks pour ceux qui sont pas bilingues. C'est-à-dire, on aura besoin de vos retours. Donc n'hésitez pas à bien le détruire, Shane, à bien montrer ce qu'il a fait de mal et tout. Parce que je le rappelle, hein, 11, c'est 2 jours capitaine. Masterclass sur Masterclass, il vous a dégoté des primes, du pouvoir d'achat, pendant que Shane, à minuit 30, il était en Hell's 4 en train de faire des rodéos, hein. Donc ça, on l'oublie pas. Ça, c'est le browser, ça. Ouais, ça, c'est le browser, c'est le browser, mais ça. C'est le browser, mais pas my capitaine, celui-là, hein. Pas vrai, commandant? Bah, vous soyez quand même au courant, j'ai fait une demande d'augmentation de salaire également, pour ajouter la prime à 10. Écartez-vous, là, faites-moi une place, écartez-vous. Poussez-vous. Mettez tout à droite, À droite, Riz. Pourquoi je suis à droite? Va te changer de réglage. Ah, c'est par grade. Bonsoir, monsieur l'homme repos. Pourquoi vous avez votre gilet pare-balles, dites-moi? C'est la guerre? Commandant, non, Michael Darwin a appelé hier et il a dit qu'il allait abattre un flic ce soir. C'est pas vrai. C'est moi. C'est vrai, c'est vrai. Y'a un mec qui nous menace, tout le monde menace. Oh non, on va se faire buter, les gars. Oh non. J'ai du sarcasme, commandant? Bah oui, je me fous de votre gueule. Vous êtes. Oh, on est où là? Michael Darwin, il s'appelle en plus. Non mais on est où là? C'était mon banquier. Ouais. Et tu penses qu'un banquier c'est... Eh, banquier ou pas, rien à foutre moi. Oh, on est le CSP nous. Hein. D'accord. C'est bien vrai ça. On a pris un aigle. Retirez vos gilets mes petits lapins. Pourquoi le Nord est là? Bonsoir le Nord, qu'est-ce qui vous amène? On est en réunion crime. Réunion crime.
Il y a une ligne de repère pourtant, il y a une ligne de repère. C'est à 2h du matin là, et tôt hein. Votre lieutenant Kate, du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, est mis à pied. Chose que je trouve inconcevable, parce que, bien évidemment, il a neutralisé sous mon ordre quelqu'un, une personne qui avait kidnappé vos collègues, qui a tué les agents, hein, attention, on le rappelle. Et donc, il a été mis à pied. Ne vous inquiétez pas avec l'état major, nous allons faire une bouchée de ce DOJ. Voilà. Demain, normalement, il y a la descente Mayans. Mmh. C'est ça. Et donc, on remercie Shane, bien évidemment, pour... pour son passage en tant que lead, d'accord. Merci à vous, Shane. Merci à vous. Merci Shane. Et donc, bien évidemment, comme on l'a dit, plusieurs personnes vont passer par ce biais pour être lead, d'accord. Fallait voir ce que chacun, pardon, a dans le froc. Ce que chacun pense et ce que aussi, je veux que vous vous mettiez à ma place. Parce que des fois, je prends des décisions qui ne peuvent pas vous plaire. Et malheureusement, des fois, bah, ça jacasse. Mais lumière, elle rend mon écran jaune. Je ne mords pas. Je vous promets que si demain vous venez me voir, trop bizarre, vous dire des choses, jamais je vous dirai non. Ok, je suis là pour vous apprendre les choses et pour vous preniez du plaisir. D'accord. Oui, commandant. C'est compris, commandant. Merci, 17. Nous avions eu 11 aussi. On aura quelques personnes encore. Mais ce soir, une nouvelle personne. Et pendant ces... dimanche, lundi, je pense. Ouais. Aujourd'hui et demain. My time, les collègues. Du coup, je vous rendrai fier, commandant. Vous inquiétez pas. Je pense que cette personne, du coup, ça m'étonnerait quand même. Faire plaisir, d'accord. Je vais gérer. Vers cette personne. Non, je peux se prendre. Aaron Smith, venez. Ce soir et demain, 26 sera au lit du SASP, d'accord. Félicitations, 26. Attendez. Prétend to be shocked. Il y a déjà une raison. C'est une femme, ça y est. Je pense que au dispatch tout à l'heure, vous en avez parlé tout à l'heure, 26, mais j'aimerais que vous fassiez un mot, s'il vous plaît. Ok, est-ce que vous voulez que je redise tout ce que j'ai dit? Oui. Ok, très bien. Alors. Ah, faut pas? Bah. J'ai rien à foutre des enquêtes de merde. Ok. Pour la personne après, derrière, la presse derrière, quoi, oui. Ah oui, barrez-vous le voisin news. Du balai, c'est piqué. Merci, madame, à tout à l'heure. Allez bien. Vous filmez rien, je vous avertis. Non, vous inquiétez pas. The fuck. Ah non, ok, c'est le pompier rendu, je pense. Je vais vous relire, désolé pour ceux qui ont déjà entendu une fois, mais je vais relire. Désolé, commandant, c'est toujours un petit peu d'émotion. Alors, si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est pour vous parler d'une affaire qui risque d'arriver à vos oreilles dans les prochains jours. Pas en parler, Charlie, tout ça, les enquêtes, Alzheimer. Je pourrais passer outre, faire comme si de rien n'était, mais à la place de ça, je préfère évoquer l'unique et seule vraie raison des faits. Donc je vous remets dans le contexte, ok, cette affaire est très importante. Ça commence le 14 mars de cette année, quand une personne dont je ne vous citerai jamais le nom ici, mais l'état-major le connaît, m'appelle pour me faire venir seule à une position. Je répète que c'est une des personnes les plus influentes. Et donc c'est un simple rendez-vous, j'aurais simplement nexté, je pense que vous comprenez. Je demande donc l'autorisation à Wong Meng, notre ancien capitaine connu de tous, en lui donnant de les informations qu'il lui faut. Arrivé sur une autre position avec cette personne, il m'a parlé pendant 10 minutes et après cela, il m'a tiré une balle dans le genou. Pour ensuite me dire, je te laisse 20 secondes une fois, avant de t'abattre, tu peux courir. J'ai donc commencé à courir pour sauver ma vie, mais il m'a assez vite rattrapé. Et a commencé à me traquer comme un chasseur avec sa proie. On était dans une forêt, hein, donc ça fait bien le parallèle. Durant cette traque, il me tira 3 balles dans le dos, et alors que j'arrivais à bout d'énergie, un coup de couteau dans mon flanc droit précédé de la phrase « Pensez à la mort, car la mort vous rattrape toujours. » Comme j'ai fait tout à l'heure, je vous remontre, cicatrice dans le dos, pour ceux qui se rappellent. Vous voulez voir ? De toute façon, tout le monde a déjà vu les TikTok. Hein. J'ai donc été retrouvé au milieu de la forêt dans un sac mortuaire, placé dans un coma artificiel de 2 jours, suite à 2 crises cardiaques durant l'opération. Le jour de mon réveil, assez tard dans la soirée, cette même personne m'appelle et me donne rendez-vous.
je vais pas vous mentir, si j'avais eu la moindre occasion de ne pas y aller, je n'y serais jamais allé. Tu m'as conduit sur une position où je me suis retrouvée en face de Lenny. Je pense que vous avez tous connu Lenny, la nounou de Sadi. Entourée de trois autres personnes armées d'automatiques. La personne influente m'a dit « Je vais te détruire, Winter ». Elle m'a demandé de tuer Lenny en le faisant souffrir. Au premier abord, j'ai bien entendu refusé à ce moment-là et je me suis retrouvée braquée par plusieurs armes, toujours automatiques. Je n'avais pas d'autre choix que de le faire, si je ne voulais pas mourir. Alors, avec beaucoup de mal et en pleurs, j'ai brandi mon arme et Lenny m'a expliqué comme quoi il m'excusait. Et il m'a dit que je devais le faire, car dans tous les cas, lui était déjà mort. Salut, commandant. C'est que ça. Il y a bien quoi? Bref, continue. Eh ben non, c'est la rue. Quelqu'un peut les s'il plaît. Ah, je m'en occupe. Non, ouais, c'est bon, on part. On se barre. Bonne soirée. Donc, quand je me suis sentie prête à tirer, l'homme, il m'a demandé de faire souffrir Lenny en lui tirant une balle dans la jambe, une dans l'estomac, une dans la tête et une dans le cœur. Je vous épargnerai la suite. Depuis ce soir-là, et je pense que les anciens collègues qui m'ont connu depuis mes débuts au SASP, ma vie a complètement changé. Ok. Je pense que vous avez dû me voir changer et différente. Et pour ceux qui pensent que c'est risque, comme on a pu me le dire, eh bien non, vous vous trompez depuis le début. Bref, je vois une psy, ok. Salut, commandant. Et si je vous raconte c'est parce que beaucoup trop de personnes essayent de s'accaparer l'histoire, avec chacun et chacune leur version, sauf que la personne qui a vécu cette épreuve, c'est moi et moi seule. Comme je disais tout à l'heure, je remercie mon OM et tous les autres de m'avoir conseillé de faire cette lettre et d'en parler. Et aussi pour leur soutien, merci au commandant. Bon, je vais raconter l'histoire, il y a de ça quelques jours. Évidemment, on est tous avec toi au besoin. Que vous compreniez bien une chose, messieurs, dames, c'est que quoi qu'il arrive dans votre vie, que vous soyez rookie, sergent chef, peu importe, je donnerai corps et âme pour vous protéger. Même si vous avez fait la pire des choses, je vous protégerai quoi qu'il arrive, sachez-le. On a tous fait des erreurs dans la vie, on a tous fait des bêtises, que ce soit la moins pire à la pire. Je veux. Et elle va vous prouver, ok, pendant ces deux jours, que vous pouvez avoir confiance en 26 et vice versa. Arrêtez les messes basses, arrêtez de chialer dans votre coin. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Si vous voulez pas prendre votre service, ne le faites pas. Mais si vous voulez prendre du plaisir, renouer tout ça et avoir confiance en vos collègues, restez. Parce que le but de mettre des gens au lead, ce n'est pas pour choisir le futur capitaine. Parce que croyez-moi que je l'ai le futur capitaine. D'accord ? C'est juste parce que j'ai envie. Je vous fais tous confiance. C'est pour ça que chacun d'entre vous, enfin pas tout le monde, mais certaines personnes vont y passer. Est-ce qu'on est cordé là-dessus ou pas ? Oui, oui. Jusqu'à le capitaine. Oui, après, commandant. Des remontées à faire, messieurs dames, qu'elles soient bonnes ou négatives ? Elles ont été faites au dispatch, commandant. Ouais. Ok, je pense. Ok, nickel. Au niveau du dispatch, vous allez garder vos mêmes unités, hein, on va pas refaire le monde. D'accord ? Et bien évidemment, ce soir, si vous avez des soucis, c'est ma petite 26 qu'il faut aller voir. C'est bien reçu ? Bien appris. Compris. Et je vous le dis une dernière fois, si vous n'êtes pas content, eh bien il y a le Nord qui recrute. D'accord ? Si vous me faites confiance, vous faites confiance à 26. Si vous faites confiance à 26, faites-vous confiance entre vous. D'accord ? Très bien. Alright. Bien. Bien. Moi, je vous aime, tout le monde, on s'aime entre nous. Venez tous en spécial et dans le meilleur des mondes, ok ? Ah ouais, avec plaisir. Ça veut pas de nous, commandant. Je vous aime bien, commandant. 26, ça veut des femmes, mais pas des hommes. Et du coup, ah oui, aussi. Je vous annonce, et ça tombe bien qu'il y a Austin. Venez, Austin. Oh putain. Ah, il est muté au sud ? Non. Je suis arrivé les gars, je sais qu'on arrivait, mais pas encore. J'ai encore des choses à faire dans le nord. On t'arrive pas à venir dans le sud. Bouh, Austin, oui, j'arrive. Venez à côté de 26. Popo, Austin. J'annonce officiellement, en ce 23 juin, que la semaine prochaine aura lieu
les Olympiades V2. Oh, oh extraordinaire. Les capitaines d'équipe seront Chris Crono et Austin. Je vous ne serai pas comme je veux, voilà, attention, que les gens qui n'auraient pas participé au premier ne soient pas priorisés, s'il vous plaît. Y a pas de souci. Prenez tout le monde. Maximum, quoi, vous pouvez. D'accord ? Combien par équipe, commandant ? Je vous ferai part ça dans la semaine. Y a pas de souci. Et je pense qu'on fera ça vendredi prochain, d'accord, messieurs ? C'est noté. Ça dépend des matchs, ça, d'accord ? Oui. Olympiade V2. Ça marche. Enfin, ça dépend. On verra, d'accord ? On verra. Je vous tiens au jus. Ouais, d'accord. Tu feras passer le mot nord ? Y a pas de souci, on se met là tout de suite. Nickel. Dispatch. Et n'hésitez pas si vous avez besoin, on est tous là pour vous. Mais je passe le dispatch, commandant ? Ah bah les gens sont déjà dispatchés, mon petit lapin. Le dispatch, c'est moi. Réunion. C'est moi 15, pardon, excuse-moi. Je vais redonner le dispatch. Capitaine. Winter pour la passation de tenue navrée, mais c'est pas possible. Oui, bah non, c'est pas. Mais c'est pas grave, la tenue. Juste pour information, s'il vous plaît, il nous faudrait la DOA et la HP. Maintenant, en réunion dans le. À vos ordres, capitaine. Tous les agents HP, c'est compliqué, vous voulez, ou... Tous les agents HP, tous les agents de haut. Bien pris. Oh, t'es trop marré. Je donne mon dispatch à une autre personne du coup, vu que je peux pas non plus tout faire. Qui le souhaite, avec 15. Si ouais, capitaine, ouais, ouais, capitaine. C'est pas 26, c'est capitaine, d'accord. Ça, c'est capitaine. Allez, 18, tu le prends. Parfait. Super. Raquette Bull Street, il y a eu un drive-by. Allez, super. DOA, à vos ordres, capitaine, on vous suit. Allez, c'est parti. Je ne serai pas capitaine. Ah, j'y vais, 44. Tu vas où, 02? Tu vas où? Y'a moi, ah, ok, justement. HP. J'ai cru que t'allais pas venir. Ah, redispatch chez toi, t'inquiète. Va bien, Clara? Ça va, et Louis? Non, Loïs. Dans la salle. Sam, c'est vrai, on est pas. Non, Loïs. Louis? Mais est-ce que va bien, Clara? Clara, va bien? C'était Carla. Ah, c'était Carla, d'accord. Il est là, le choc ou pas? Il est pas là, je crois. Non, je crois pas. Il est 39. Farrell, enfin, elle te va si bien. C'est pas sûr pour lui. Quoi? On a besoin d'une équipe de Grove Street pour un blessé par balle, s'il vous plaît, suite à un drag-by. 44, on y va. 10-4, merci à vous. Les DOA, les HP. Et Adam 15, on se laisse venir. Ouais. Adam 86 se transforme en Togo. Ok, à droite, mettez la DOA et à gauche l'HP pour voir un petit peu au niveau des effectifs. Parfait. Vote droite à notre droite. Les unités, nous avons ici la droite. Vote droite. Non, mais c'est bon, vous êtes. Bisous, ma petite sœur d'amour. Attends, le backup 2, est-ce qu'il y a assez de. Backup 2. 10-4, on arrive. Allez, deux unités sur la backup 2. On a 300 mètres. Ha! Adam 03, on est à 1 km. La moto s'est dirigée vers. Bon. Je sais pas qui c'est qui a reçu l'appel tout à l'heure, mais Michael Darwin aurait appelé et informé comme quoi, sur les coups des 23h, il allait avoir donc des cargaisons de drogue dans des camions. Ok. Oui. Donc, ça serait bien que, tous ensemble, priorité au lead des deux divisions, on fasse un plan. Ok. Chacun avec nos capacités et ce qu'on est capable de faire. Donc, l'AHP pour mettre en place des barrages. Et nous, potentiellement, essayer de planquer, de tourner et de trouver le point de départ. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, 113-11? Moi, je suis d'accord avec vous, capitaine. Oui, c'est bien. En fait, tout dépendra de la DOA si vous arrivez à trouver le point d'entrée, surtout. Parce que nous, derrière, en HP, on s'adaptera. Ok. Pas trop un problème. Après, les recherches, on peut les faire comme vous au départ. Et si jamais... Le but, c'est que vous trouviez, si je mets que vous avez déployé des Oscars, etc. Ce sera plus simple pour vous. Après, dites-moi, capitaine, c'est vous qui jouissez. Non, moi, je pense que c'est bien. Ça serait bien qu'il y ait un véhicule de votre côté qui soit en électron libre, tout simplement. Mm-hmm. Le reste, on peut faire deux barrages. Un barrage GOH, un barrage Freeway. Vous voulez combien d'HP? Si. Oh, bah, autant que vous pouvez. Hein. Au moins pour faire des barrages, à minima. Oui, à moi, j'aimerais bien qu'on fasse des barrages anonymes. Des barrages qui sont pas évidents que c'est des barrages. Oui, bien sûr. Ça peut être envisageable. Ça serait bien que toute la DOA, en fait, on se camoufle, on se mette en mode. Putain, on n'est pas beaucoup, hein. Ah, faudra appeler la DOA Nord, en fait, faudra appeler ces connards du Nord. Je leur mets un message si vous voulez pour qu'ils viennent. S13 pour la DOA Nord, vous me recevez? Vous voulez qu'on se mette en mode civil, quoi? Est-ce que vous êtes loin du PDP Sud? Va à l'école de 02, vous me faites chier. Y'a personne? Ah, mais je vous assure que c'est. Ok, bah
celui qui est là vient PDP Sud, dans le bureau au premier étage. Un sup. Je suis juste du coup à la... 02, vous n'avez pas 90 ans s'il vous plaît. C'est vrai, mais après je peux aussi... En gros, ce qu'il faudrait dans l'idéal vous me dites. Mais en gros, moi ce que j'aimerais, c'est que le HP repère les camions, donne des informations sur les camions, et que nous on les bloque en créant un faux bouchon ou quelque chose comme ça quoi. Ok, vous voulez faire l'inverse du coup. Vous voulez faire un plan sentier. Ça serait marrant, vous voulez pas faire une filature? Ou vous voulez vraiment les interpeller? S'il y a la drogue à l'intérieur, la filature elle sert à rien, hein. Ouais, c'est vrai. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut... Si on est... Je t'attends dehors à... Vas-y. Non, vas-y. Si on est derrière... En gros, si jamais on la récupère... Okay, et du coup on sera derrière... Attends, mais... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y toi. Non, vas-y, c'est bon, c'est t'inquiète. Non, vraiment, vas-y toi. Moi, je te laisse honneur au salon, chef. Non, vraiment, toi, vas-y, là, j'insiste. Ok, du coup... En gros, si on a... Hop, la baited. Oui, allô. Non, on fait des plans chantiers contre eux, hein, ça se retourne tout. Ouais, je t'ai pas dit, j'ai fini ton truc, là. Quel truc? Ton entrepôt de con, là. Bah oui, je sais. Et du coup, pour les agents HP, ce que je... Bah si, tu me l'as dit, je te jure. Je suis venu... Non, je te l'ai pas dit, non. Mais je suis venu dans l'entrepôt, j'ai visité tout. Ah bon, quand? Ah non, j'étais sur ton live, merde, c'est vrai. Bah ouais. Ah ouais, vas-y, je vais aller voir, ça marche, merci. Ouais, ça marche pas de rien, hein. Vas-y, ciao. La highway en tant que telle n'est pas forcément obligatoire. C'est le commandant, il va bien. Allô. J'ai rêvé de toi, Maxine. Je te jure, j'ai rêvé que tu décorais mon appart. Winter, du coup, Ah ouais, j'ai l'impression que tu me l'as déjà dit, c'est bizarre. Non, c'était sur le live de Sabia, c'était pas... Oui, c'est vrai. Bah raconte-moi, t'as rêvé de moi. Genre, en gros, j'ai rêvé que t'avais mis des... Non mais je te jure, j'ai rêvé que t'avais mis des cadres dans mon appart. Et que genre... J'étais grave hype, j'étais en mode waouh, les cadres ils sont trop beaux. Parce qu'en fait, la dernière fois, c'est quand même une dinguerie de rêver GTA, hein, qu'on en parle. Hein. Non, c'était IRL. Quoi? Mais t'avais ton skin de GTA, mais dans IRL, je sais pas si c'est bizarre. Là, on peut une dinguerie. Ouais. Mais ouais. Genre, t'avais ta balle après tout. C'était beaucoup. Bah, stylé, sympa. Voilà. Bah, cool. Voilà. Les petits cadres et tout, non, c'est cool. Vas-y, super. Allez, ciao. Eh bah, avec plaisir. Je vous jure, j'ai rêvé qu'il y avait, en gros, qu'il y avait Maxine IRL qui décorait mon appart. Je sais pas si c'est des je vous jure, c'est vrai, il y avait moi, il y avait ma meuf, et généralement, on était là tous les comme ça avec ma meuf, on était en mode ouais, c'est vrai que c'est beau et tout. Ça. Donc, compliqué. Mais je pense que pour l'instant, on va peut-être tous se déployer pour essayer de chercher. Ouais. Et dès qu'on a quelque chose, on fait une filature et les autres se placent pour faire des faux barrages, quoi. Mais vraiment, dans l'idéal, si on trouve. Pour moi, la DOA, il faut qu'on soit en anonyme et que la HP il soit prêt à intervenir. Ah oui, complètement. Qu'est-ce qu'on fait du coup si on n'a pas moyen de voir quel type de camion c'est, etc. Il faut bien qu'on contrôle, non? Ouais, c'est vrai ce ça. Ce que je peux proposer, c'est aussi qu'il y a 88 qui est là et moi qui pouvons aussi nous déployer en canaille, dans les DOA canaille. Ouais. Bien sûr, complètement. Ouais. On a notre chien avec nous, comme ça au moins on peut aussi se permettre de faire les schniffs sur les véhicules suspects, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la réunion DOA là. Ouais, super, bon, on vient de terminer, Austin. Bah, parfait. Bon, bah, allez au boulot, super, les collègues. Merci, lieutenant. Bon, allez, on y va. Si vous voulez, par contre, pour le nord, peut-être juste leur passer l'information. Parce que si ça part du nord, on aura l'air bête. Ouais, ça marche. Mais on va faire ça. Allez, Austin, t'as compris, au boulot. Allez, au boulot, tout le monde, on y va. Le temps joue contre nous, les collègues. Appelez moi 26, c'est pas capitaine. C'est pas capitaine. On ne sait pas si c'est des types de Pounder ou de Mule ou quoi que ce soit. On sait à quelle heure ils partent. 23h. 23. Ok. 23. Donc on ne sait pas si c'est nord, sud, sud, nord. Et en gros, il y a plein de drogue dedans. D'accord. Parce que ça nous a dit par Michael Darwin. Donc important aussi de savoir avec qui est-ce qu'il bosse. Hein, désolé. Si jamais la dernière fois, c'était parti du port. Ouais, des docks. Ouais, mais justement, est-ce que du coup, ça ne partirait pas du port cette fois-ci? Ok, moi, je pense que le port Austin, peut être le point d'arrivée. Austin, il faudrait que tu parles avec le Nord, tu leur demandes de mettre une unité qui contrôle à l'aéroport Sandy Shore et à Paléto. À Paléto, la dernière fois, ils étaient vraiment allés à la pointe. Grabsid, c'est ce que j'allais dire. On va voir. Je vais prendre quelques unités, il y a des agents d'AWA qui arrivent. Là. Et je pense que nous, on va surveiller port à aéroport. Hein. Est-ce que t'as des agents à AWA ou pas dispo là? Ouais, j'ai Adam qui est le chef d'affaires. Parfait. Mais capitaine, vous voulez pas dispatch? J'en profite, bon, qu'il y a un petit peu tout le monde, qu'il y a la capitaine qui est ici aussi. D'ici quelques temps, il y a les travaux qui ont commencé, mais des frontières vont être mises en place entre le nord et le sud, d'accord? Des petites frontières. Ok. J'en ai pas un grand mur, si jamais c'est vraiment des petits postes de douane, tu vois. C'est ça, c'est des postes de douane. On aura besoin, s'il vous plaît, juste que voilà, la HP puisse gérer de ce côté, d'accord? L'autre côté, donc à voir. Bien sûr. Ça sera rajouté. Non, juste des pôles douane en gros. Ouais, ça va séparer la. Je suis pas fan.
C'est juste ouais, des trop de douane quoi. Y'a pas le péage hein, parce que moi j'ai son joueur tous les jours. Ils ont voté oui. Ah ben reste dans le nord si tu veux rester mon champion. On va faire les Adams, on va pas tous partir comme ça chacun de notre côté. Je vais partir avec vous comme ça je vous fais un petit topo de ce qui est en cours. Ça marche, mais je pars avec Tyson. Continuez. Ok, marquez juste s'il vous plaît sur... Et 30 on fait comment faire, on fait deux Adams pour l'instant. Non, deux Adams, Adam. Non, que les Adams, pas de Tango s'il vous plaît. Oh putain, merde alors. Je sais que tout le monde a envie de patrouiller avec 30 mais ce sera que les Adams. Ok, ben Tyson, allez, on y va au boulot. C'est qu'on va aller ce soir là. Radio 4, Radio 4, tout le monde, ouais. Bien dit, capitaine, bien dit, c'est capitaine. Est-ce que vous voulez pas que du coup, si on doit faire en incognito, qu'on est tous à peu près la même tenue? Vas-y, 75. Non, bah les couilles, parce que c'est civil random. Radio 4, Radio 4, les collègues. Ok, ok. Si jamais Adam 113, on va aller. On drôle et on peut venir la canine. On va aller checker vers le port. Ça va, mon petit 75. Ok. Ça va, Tyson? Ça va, t'en manges bien. Ça va. T'as la pêche, t'as la banane, pardon, excuse-moi 18. Hop, putain, merde alors, désolé 18, désolé. Non, mais y'a pas de soucis. Ah, t'as le smite, t'as la banane, t'as la pêche. Ouais. T'as même pas regardé, petit enculé. Bien sûr que si, j'ai regardé. Non, t'as lancé ton live avant la fin de la troisième game. Mais tu sais que quand je suis en live, je mets quand même sur un autre écran et je mets juste. Ah, t'as regardé? Parce que après, j'ai regardé les stories et j'ai vu, t'avais fait une story avec ta tête de grenouille, je vais te voler ton filtre. Ah, vous, il est incroyable. Oui, 75. Il est trop drôle le filtre grenouille. Oui. Faut que. Il y en a un de vos deux qui partait avec moi et l'autre avec France pour qu'il y ait des canines. Frérot, je te dis la vérité. Hein. Okay. Ça sert à rien les fesses. On aurait perdu là, je serais pas avec toi dans la voiture là. Bah, je pense, ouais. Je pense que c'était. Bah, comme t'avais dit, c'était un peu le kit tout double. Mais ça fait plaisir. De toute façon, on a confiance. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, tu sais que je pense. Alors je veux pas contredire tes calls hein. Oui. Je pense que se mettre au niveau des ports et de l'aéroport ça pue la merde. Ah ouais? Le mieux c'est que là toutes les unités qu'il y avait dans la pièce ont fait une grande ligne. Tu vois le mur que tu parlais entre le nord et sud? Une grande ligne, une grande ligne. Pas mal. Une grande ligne, c'est ça que tu dis. Ouais, une grande ligne. Et tu vois une grande ligne de personnes là. Ouais. Tous ceux qui étaient dans la pièce. On fait une ligne genre de Et au milieu, on voit au milieu. Et dès qu'on a des infos, on se dispatche quoi. Mais on est pas assez hein. Ouais, je pense qu'il y a du monde hein. On est pas assez, je pense qu'on est pas assez et en plus ça me semble dur à mettre en place là, il nous reste 9 minutes. Bon en vrai ça se fait rapidement hein. Attends, une unité par route, ça voudrait dire qu'il y en aurait une tout à droite. Il en faudrait. Regarde, alors attends, je te dis. Il en faudrait une. Pour les agents DOA, il y a le poste de la MESA qui vient de se faire braquer. Une au niveau de la Los Santos Freeway. Une à chaque par exemple Fuente Blanca. Non, je te jure qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a une, deux, trois, quatre. Il y en a quatre routes. Et après une GWASH, et voilà, et c'est fini. Frère, si jamais, je te jure, si jamais c'est ton call, fais-le en radio et je te jure, moi je te follow. Mais en fait, le problème, c'est que t'as vu, on va se mettre sur l'autoroute. Et quoi, on va avoir des camions qui partent? Tu vois ce que je veux dire? Genre, on va avoir des camions roulés, on va les contrôler parce qu'ils conduisent différemment et tout. Genre, moi c'est juste ça qui me fait que je suis pas fan. C'est vrai que t'as pas tort, sur ce point-là, je suis d'accord avec c'est toi. Moi, c'est le seul point. Je suis sur ça. Mais je veux dire, pour les avoir rapidement, ça aurait été le moyen le plus juste, enfin le plus rapide. Madame 26, on va l'appeler ça. D'ailleurs aussi par rapport à l'info là du truc d'armes, le labo d'armes, j'ai passé l'info à 26 et à 30. Vu qu'ils sont dans la DOA, je leur ai dit que s'ils ont un moment pour check de temps en temps. T'aurais pas dû hein. 30 s'il vous plaît du coup la première. À 26, 30 ça va. Ouais, 26, 30 ça va. RAS, c'est pas comme si... En gros là, ceux qui sont au courant, il y a toi, moi, 02, 26, 30. Ok, faut pas que ça s'ébruite, parce qu'en fait, si ça s'ébruite... Ah oui, je veux même pas qu'ils commencent à me faire les mecs, ouais, bizarrement, j'ai l'impression que là, quand on va au laboratoire, il faut qu'on fasse attention, parce que... Ouais... Tu vois? Non, mais pas plus de personnes que ça, franchement, là, il y a 5 personnes au courant, c'est très bien. Okay. Wow. Par contre, 26, ça vous... Également 26, ça disait oui, mais faudrait quand même le dire à la CRIM, c'est le travail de la CRIM. Et on leur dira quand on l'aura confirmé officiellement, tu vois là pour l'instant. C'est ce que je dis. La dernière fois c'était parti d'ici, des docks. Ok, si jamais RAS port. C'est comment vous la Mesa? RAS c'est la Mesa. Ah ouais? Me dis pas, ils sont pas radio. Ah merde, non, mais c'est juste que j'ai baissé le volume. RAS comme si vous étiez pris en otage ou RAS vraiment? Non, RAS vraiment. Non, RAS vraiment. 713. On
moi y'a rien à la médecin, je confirme. Moi j'ai code 4, je suis au niveau de l'anthropodéo. Il me faudrait un petit strep là quand même, des unités savoir vers où vous patrouillez, qu'on patrouille pas tous au même endroit sinon ça va être le bordel, ça sert à rien. Vraiment qu'on établisse des zones de patrouille pour chaque unité là sur le terrain. J'aimerais bien qu'il y ait une unité qui aille à l'aéroport s'il vous plaît. Sur les derniers 10-31. Unité à l'aéroport s'il vous plaît. C'est à côté des 22-88, c'est bon. Je parle dans le vent, je parle dans le cul de qui là. Qui va à l'aéroport les collègues? Vas-y on va y aller nous, on prend juste un véhicule super banalisé et on y va. Super merci. À gamme 30 on va checker au niveau de la marina, je sais jamais que je suis arrivé en bateau. Ok, Mary Weather c'est check. Adam 26 on check au niveau de Wardog. Après. Moi, tu veux que je te dise ma déduction? C'est une déduction super simple. Hein. Ouais. Mais si ça se trouve, ils sont pas intelligents, ils vont faire ça. Je me dis, la dernière fois, ils ont fait un départ au sud, oui, pour aller au nord. 100%. Là, pour moi, ça va être l'inverse. Ça va, ouais, être départ au nord pour aller au sud. Oui, sûr. Austin, tu me reçois? Est-ce que le petit enculé d'Austin, il me reçoit? Attends, je vais passer à Radio 7, je vais demander qu'il y ait une Radio 4. Vas-y. Sur un radio, je crois. 107 pour Austin. Ouais, super. Ok, nickel, on t'entend Radio 4. Ok, il attend juste un agent, je sais pas qui va, il arrive. C'est ça le problème, la DO à Nord, c'est que, regarde. Ouais, il sleep un peu. J'attends juste un collègue et on y va. Ok, si jamais en gros... Tu m'entends là toujours? Attends, j'entends. On pense vraiment qu'ils vont partir du nord parce que la dernière fois ils sont partis du sud, tu vois. Ouais, dans tous les cas, j'ai dit aux collègues de vérifier tous les points possibles, que ce soit Grapsi, l'aéroport Sandy ou même sur Palais d'Homme. Ok, super. J'ai code 4 niveau Marina et plage Marina. 88 pour Austin. Comment ça s'appelle le truc à gauche là? Comment t'appelles ça? Faut dire à Adam de se placer au niveau de la GOH, on va se placer au niveau de la freeway et moi je vais me placer tu au niveau de Comment ça s'appelle GOH, mais du coup Adam 4. Ok, je vais lui dire ça. Ouais, c'est zone portuaire post-opé. RS post-opé si jamais les collègues. Aéroport c'est comment? C'est check ou pas? C'est pas check l'aéroport? Ok, bon bah je vais check l'aéroport. Mais la dame 88, je suis à l'aéroport. Bah oui, mais. Et on termine et on y va. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de terminer les 56, ma belle. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Et imagine... Du coup, si on a 88, on va se mettre pas le middle freeway. Imagine, au final, ils sont pas si cons que ça. Parce qu'il, ouais, peut y avoir plusieurs solutions. Ils nous passent l'information qu'ils font ça en camion comme la dernière fois. Mais ils savent très bien que la dernière fois, ça a échoué, ça a été la merde en camion. Ouais. Ils nous passent juste l'information que ça se fait en camion pour nous brain. Et que nous, justement, on soit full focus sur les camions. Ouais. Et qu'au final ils font ça dans d'autres véhicules, ou peut-être mieux encore, ils font ça en bateau peut-être. En bateau ou autre véhicule, tu vois, hors terrestre. En fait, ça peut être un brain juste pour qu'on se focus à fond sur les camions. En vrai, t'as pas tort, mais l'information elle vient d'où, tu vois? Vous êtes à l'aéroport? Ouais, je suis à l'aéroport là, je fais l'extérieur côté plage. Okay. C'est Darwin qui a appelé RS, Glenn. Amazon, si jamais. On l'a déjà fait, on a fait Amazon, on a fait Post-OP, on a fait Meriwether si jamais 26. Ok, autant pour moi, je remonte. Et là on fait l'aéroport. Ça se casse pas ça, hein? Non. Ça se casse au bout d'un moment ou pas? Non, non, c'est parti directement. Jamais. Non, non. Les escapes, merci à vous. Ah là, c'est là, t'es... Vous avez fait chantier naval et Post-OP? Affirmatif, on a check depuis le pont rouge. 10-4. Essayez d'aller faire un tour comme si vous voulez, mais... C'est vers le port pour aller check up Cypress, si jamais c'est une grosse zone par là-bas. Du coup, ouais, c'est Darwin qui a prévenu Glenn. Et on sait que Glenn, on voilà a quoi. Adam, non, Glenn il est con en plus, hein. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Si le chute en tout cas pour l'instant. Madame 02, on va check la plage. Ça a déjà été check 98. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules potentiels à contrôler à part les mules et les pondeurs? Je parlais de camion chargé, donc tout ce qui comprend un gros stockage.
Justement, j'étais en train de parler dans la voiture avec Riz, là. J'ai élaboré une théorie. Imaginez que ils nous aient parlé de camions ou de machin pour justement qu'on se focus à fond sur ça, et si ça se trouve, c'est pas du tout transporté avec ça. Donc soyez attentifs un peu sur les autres trucs. Le cas pour la highway, hein, si vous observez des, voilà, sur les freeways notamment des go-fast, des véhicules roulant à très haute vitesse, vous faites un contrôle. Pourquoi il y a des camions bennes ici, il y a des éboueurs ici. T'es sûr que ça se casse pas, hein? Franchement, non, ça se casse pas. Merde alors. C'est boueur ici? Bah, essayez de voir, mais peut-être par la porte. Hé hey. Y'a un monde où ça... Ouais, dans... dans... Ah, Ah, c'est chaud. Viens. J'avoue que éboueur, ça pourrait être faisable aussi. Hein. Ouais, je sais pas. Ils sont fermés. Non, je pense pas. Ouais, ça serait assez... moi je pense que ça serait, je trouverais trop stylé l'idée d'un go-fast par voie maritime. Ben, en vrai je suis d'accord, mais je vois pas pourquoi on aurait reçu l'info que c'est des camions alors. Parce que les infos qu'on sort en général elles sont bonnes. Oui. Tu vois, ben, je suis d'accord avec toi. Les innocents ils vont pas nous prévenir qu'il y a un truc en camion. Et si jamais c'est pas en camion. Je sais pas comment dire. Ce serait un truc de pute de faire leak des fausses informations pour Ouais, c'est possible. Tu vois, pourquoi on s'est pas préparé. Je pense. Tango DOA, on est sur l'OPDOA. Ah, mais quand je disais Sido 100, bah c'est bizarre aussi, non, genre. C'est pas cohérence, entre guillemets. Ah, oui, ok. Pourquoi Sido Darwin qui nous dit ça, oui, on s'en bat les couilles. On sait que lui il le fait par fair play, tu vois. Je préfère me dire que c'est pas Darwin qui me l'a dit. C'est vrai que c'est Darwin. Non, dis-moi, dis. J'ai dit sur le 88, on est pas l'homme de freeway là. Ok. Alors, en principe, le Nord, capitaine, c'est les agents du Nord et l'unité de Clay et l'unité d'Austin qui s'en occupent. Ok, super, impeccable. Patrol, du coup, j'ai une unité patrol qui s'en occupe et deux unités DOA qui tournent sur les différents points. Ils sont Radio 4 ou pas les unités DOA? Ils sont en train d'arriver, Radio 4, ils sont avec moi actuellement. On va expliquer un petit peu ce qui se passe. Cool, de Sierra 11, le Nord a fait un petit dispositif côté Fuentebblanca, on va se joindre à eux du coup pour Aïe, on est tellement morts. Oh je l'ai tellement arrivé vite. Oh là là, comment on est mort. Ah bah là carrément j'ai le moteur dans les rotules. A plus de genoux. Ah là il est sorti. Ok, tout le côté extérieur de l'aéroport c'est clear. Je vais faire l'intérieur, sinon vraiment dans le sud là y'a rien. 4, on va aller côté Alcatraz non. Regarde à droite. Je quitte. Ouais, ils sont tout le temps là, c'est limousin. Tout le temps là? Ouais. Ok, putain, j'étais en mode waouh, un gris. Ok, aéroport. Entièrement check, RAS. Michel, bien pris. Je pense que t'as le même point de vue que moi, mais pour moi, dock et aéroport, c'est trop flagrant. Mais regarde, la dernière fois, c'était parti des docks, hein. Ouais, mais la dernière fois on était niveau pas au courant. Niveau de la marina, RAS, on va aller voir au niveau de la plage. Et ça, c'est un truc qui change, je trouve, de mon point de vue. C'était check la plage, 26, mais tu peux être tombé. Fait que la dernière fois on était pas au courant. Allez, prends le coach, échangeur casino pour anticiper le prochain. Ou alors on fait la bonne vieille méthode. Comment ça, quelle méthode? De côté, on a beaucoup de mouvements sur GrabCity. Ah. C'est-à-dire à 11, refus de 1038 au niveau du barrage côté Fuente, d'une primo blanche. On s'en est arrêté au niveau du 1038 au niveau du... Terrain de cross.
Attends, juste beaucoup de mouvements grapsis, c'est-à-dire. Ah, bah ils sont pris en otage, les collègues. S'il vous plaît. On y va ? Ouais, on y va, on y va. Ah. Alors, prof, vous répondez pas ? Du coup, on a énormément de véhicules qui tournent sur grappe si ça se tourne autour, etc. Est-ce que vous avez des véhicules avec une grosse contenance, s'il vous plaît ? Genre des camtars ? Négatif, pas pour l'instant. Des camtars ? J'ai 4. Pas besoin d'y aller, on va continuer au nord sud. Très bien. Aïe. Est-ce que les véhicules que vous voyez, c'est des véhicules de couleur genre gang ou c'est tu vois? Ouais, des véhicules de sportifs de couleur bleue type Sultan, Mogul, etc. Et on est déjà autour, pas de queue. Ok, est-ce que là, l'unité DO à Nord, vous pouvez vous mettre en anonyme genre et essayer de suivre du mieux que vous pouvez? Ouais, vas-y, juste m'occuper de ça. Le peu qu'on a pu voir, hein, du coup, au niveau des véhicules, hein, des plaques relevées, c'est Crips et Mara qui sont en train de se chasser, hein, depuis le début de soirée. Bien pris. Ok, ce que je vais faire, c'est que moi je vais y aller en mode keuf normal, con. Je contrôle et tout, je gagne du temps. Et après, ce serait bien que vous les preniez en filature, ok? Bah, vas-y, parfait. Ouais, c'est une bonne idée. Fais une backup dès que t'es en contrôle. Vas-y. C'est une bonne idée parce qu'ils vont se focus sur nous. Ouais. Du coup, ils vont que chercher la STX. Ouais, exactement. Et je vais me montrer en plus, tu vois, je vais me montrer. Perspicace. Comme ça, ils penseront qu'ils auront un coup d'avance. Eh oui. Ah, Tyson, j'ai trop envie de te lécher l'oreille. Pourquoi? T'es mon pote. Bah super. On se fait ça entre potes. Trop envie de te lécher le cul, frère. Non, on se fait ça en... Là c'est space, tu vois, peut-être, mais pas... Entre potes. Les amis. C'est les copains. C'est les copains. C'est les copains. Ah bah lécher l'oreille, oh non, ça me... juste d'y penser. Oh. Mais tu galopes où toi? Bah tu vas où toi? J'ai eu une petite galère. Une petite galère? Quel genre de petite galère? Bah en fait la galère elle m'est arrivée il y a 3 jours. Ouais. Ensuite on m'a transporté ici, mais sauf que ici j'avais tellement des boules au ventre. J'avais trop mal, j'ai gerbé. Carrément tellement j'avais gerbé fort, bah j'arrivais plus à me réveiller. J'étais par terre. Ouais. Du coup, après là, je me suis réveillé hier à 4h du matin pour essayer pour savoir si ça marchait. Ça marche. Et vu que là j'ai un jugement, j'ai couru jusqu'ici pour me faire dénoter. C'est quoi? C'est le SASP Nord qui t'a attrapé? Ouais, bah c'est quand ils étaient au quartier à la raquette. Ok. 113 pour SASP Nord, vous vous rappelez quand vous avez attrapé les Bloods là? Affirmatif, ouais. Il y en a un, il s'est évanoui, il s'est jamais réveillé, vous vous rappelez? Rappel, ouais. Bah il est là, il vient de se réveiller. Super, vous pouvez le faire venir au poste, on va l'amender, etc. Il a un jugement, est-ce que vous pouvez le récupérer? Parce que je suis sur une opération, moi je vous ai fait une backup là, il vous attend ici. Je vais aller chercher. Bouge pas de là, il va vous dire. 14, merci, vous assurez. Terry, Gigi ne sera dans la backup. Super, je repars à Radio 4. C'est un truc par rapport à Nord. Ok, bon, ils arrivent. Taper sur les doigts, le juge. Ils arrivent, bouge pas. Ok, je bouge pas. J'ai check au cas où il m'ait menti. On arrive à 300 mètres. Hein. Il est habillé en rouge, il est sur le bord de la route, mais notre... Merde. Pas vous que je parle. Je crois que encore Radio 7. Ils sont toujours là, les méchants? À Grapside? Ouais, il y a encore 2 moguls qui sont rentrés sur Grapside actuellement. Pour faire un petit trip, on a vu 4 véhicules en tout. Une Sultan, 2 moguls ainsi que une Primo qui sortait de Grapside. Bonsoir. 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 Le conducteur a changé de place direct. Ouais, pourquoi? Pouvez-vous vous mettre sur le côté s'il vous plaît? Bien sûr. Tout à fait, oui. Ah non, il a pas changé de position. Ah ouais, donc j'ai écrit. Capitaine, si vous pensez que c'est une bonne idée, faites-le. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous pouvez descendre du véhicule s'il vous plaît? Bien sûr. Je vais vous demander le permis de conduire et carte grise s'il vous plaît. Alors. Très jolie voiture en tout cas. Merci. Allez, Brin. Bon, ça fait longtemps vous a pas vu, monsieur Brennan. Oui, j'étais. En vacances. Vous étiez? En vacances. En vacances. J'étais ici et là.
Ok, très bien. Et la carte grise ? La carte grise doit être dans la boîte à gants. Vous êtes combien, s'il vous plaît, au niveau du barrage de Fuente ? De Sierra 11, il y a deux unités. Nous, on s'est déporté du coup dans le chemin en terre entre la Fuente et la LFO. Attends, Dyson, prends le relais. Parce que ouais. Vu la SSQ, il y a beaucoup de camions qui passent et pour nous, c'est compliqué de. Je sais pas si c'est le SASP Nord ou si c'est des gens qui sont en unité normale là, mais Austin, est-ce que tu peux demander au SASP Nord de quitter le Grapsid s'il te plaît? Et si jamais il y a des unités qui sont en mode cuff là, Grapsid, partez s'il vous plaît les collègues. Vous êtes à quel endroit exactement? Là je suis là, je fais un petit contrôle, mais c'est c'est pas des gangsters ça. Vous avez besoin d'aide ou pas à Grapsid? En vrai, dans le secteur, ça serait bien que ce soit. Très bien, parce que j'en ai banalisé, hein, nous. Ouais, bah alors, tu peux, viens et roule dans Grapsid. On arrive. Transmis. Adam 17 passe Oscar. Adam 26, pardon, devient Oscar 20. C'est bon, Tyson ? Attends, je vais acheter juste un truc. FTX. Ok, ouais. Bon, ils ont pas les papiers sur eux, mais ils viennent d'appeler le propriétaire, ils viennent de dicter la plaque à distance. C'est bon ? Oh, faudra avoir la carte grise la prochaine fois, messieurs. Oui, il faudra qu'on la récupère, hein, qu'on la mette dans la boîte à gants. Ouais, vas-y, allez, je fais ça. Dans la boîte à gants. Allez, à tout à l'heure. Faites quoi, Grapsid, là ? On a une cliffhanger noire de personnes. Ok, eh ben bonne balade. Merci, bonne balade. Rien à signaler, sinon ils sont partis vers cette maison. Monsieur, super, des motards. Merci, excuse-moi. Bien dit, ça, capitaine, bien dit. On a une mogule qui passe à côté de nous. Je pense que c'est le mogule auquel on parlait, non ? Je crois, je sais plus si c'est Barra ou Crips. Je crois que les deux ont nom. Mais le problème c'est qu'il y avait, il y avait des collègues là, ils étaient là. Ouais, je les ai vus passer et qui suivaient la mogule. Ouais ouais, et en plus ils me voient moins plus d'autres, tu vois. Ah, le problème c'est que ça a déjà démarré quoi, si jamais. C'est vrai que 23h11. Ah ouais. Je pense que les collègues du Nord, ils ont fait fuir les méchants, hein. 4. Là, je vois plus rien, Grapsid, là. Déjà apparemment 11 minutes que ça serait commencé. Vous êtes au niveau d'où là? Et s'il vous plaît les collègues, juste votre position chaque unité. Agam 30, échangeur casino visuel sur la route Fuente Blanca et la Lancer Dos Freeway. Ok, super. Madame 26, on est au niveau de Vinewood. Et on se rend en direction GOH. Vous gérez tout ce qui est les petites routes qui descendent des villas, capitaine? Alors, négatif, on va se rendre sur la GOH. Par contre, il faudrait une unité au niveau de Tongva, une autre unité sur la route la plus haute qui part en direction du nord depuis les villas. Okay. Prends le volant une seconde. À gauche de Galiléo, excuse-moi, à gauche de Galiléo, pardon, il faudrait une unité. Quand vous voulez. On est toujours Palomino. Du coup, Christian, quand vous voulez. Soit on décroche de là où on est échangeur casse-avion. Grosso modo, on a un bon angle, soit on va là où vous avez dit qu'on aille. Restez échangeur casse-avion, c'est bien. En soi, j'ai pas envie de contre-colle, capitaine, mais on a déjà. Moi, je suis là. Ah, c'est l'unité dans le nord ? Bah, on a. Non, je veux dire, ouais, déjà, il y a l'unité dans le nord et on a 30 qui est au niveau du casino un peu plus bas. Je suis 11, du coup, vous allez vous mettre GOH, s'il vous plaît, et nous, on va se mettre sur la route la plus haute des villas. GOH, normalement il y a déjà la Sierra d'Adam. A vos ordres, my capitaine. Au vu de ce que je vois, il y a déjà la Sierra positionnée à l'échangeur 68 GOH. Ok, du coup vous passez Tongva, s'il vous plaît. C'est quoi ça Tongva? C'est un mec de la Bloodline? Sans sérieux. C'est quoi Tongva? Les collègues, le Yuga Blanc, c'est la route des 0DM. C'est la route qui remonte université vers le nord. Ok, ouais, c'est bon. Attends, on va drive. Je crois que c'est ça, attends, je vais pas dire de la merde.
Je vais vérifier. Ouais, c'est ça, c'est celle-ci. Moi, je pense, frérot, ouais, y'a rien. Je check là-bas. Je cache. Quand ils vont nord ou sud de la Buffalo là. C'est parti de loin. L'unité d'Adam, vous êtes pas en statique? Pour moi, il est parti sud. Qu'est-ce que le capitaine? Vous êtes en statique, s'il vous plaît. Ah, répondez. Excusez-moi, je ne vous répondais pas. Oui, on n'est pas du tout en statique. On est actuellement en train d'avancer au niveau de Palais. Ok. En fait, j'ai peur qu'on soit tellement tous allés dans le nord que du coup, ça se trouve, ils sont allés au port et qu'il n'y ait plus personne au port. Je crois que normalement, s'ils sont passés en tout cas du nord au sud, on les aurait vus passer. Ouais, quoi, c'est ça. C'est que là, on a dispatché okay. Des unités sur chaque route. Ben sinon, sur la méthode forte, je vais attraper un creeps. Je lui pose des questions. Comment il s'appelle déjà l'autre qu'on avait chopé la dernière fois? Non, là, je redescends dans le sud là. Ok, très bien. Nous, je pense qu'on va monter Paléto. Il faudrait peut-être qu'une ou deux unités redescendent dans le sud, histoire de voir. Redescendent. Nous, au niveau de Adam 26, on est ici, si jamais. Vous êtes posté si vous pouvez faire une backup pour qu'on puisse voir où est tout le monde. La méthode forte Taser, en plus y'a pas Metz pour nous casser les couilles là. Adam 30, putain, c'est bien vrai ça. Ok, bon. On va se poster au niveau de Gina Poulet, donc du coup on sera ici. Je vais à la pêche aux informations. Je vous tiens au courant si j'en ai. C'est juste qu'il y a de gâteau. Ok. Ok, c'est ça. Du coup, une primo qui sort de l'usine à poulet. De 98, on a une mogule bleue occupée 4 fois qui nous suit au niveau de Grapside. Mais vous suit encore plus de 30 secondes là, à demander du backup s'il vous plaît. Ça fait déjà 2 minutes qu'elle nous suit. 98, demandez à 02 de passer radio 7 et du renfort dans le nord. Je répète dans le nord, je pense. Vas-y, je répète dans le nord, non? 98. Il y a pas mal de mouvements dans le nord, mais est-ce que ça serait pas justement du... Ah non, je pense pas qu'ils soient aussi intelligents pour nous faire délire. En fait, elles se font suivre et vont se faire prendre l'otage sur. En fait, y a du mouvement, mais y en a pas tant que ça, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un sait où est 98 ou pas? Ils sont à Grapside. Grapside, derrière plus. Et l'unité la plus proche qui peut se rapprocher de Grapside, et c'était en Yuga blanc. Elle répond plus? Allez, tu peux essayer pour... Je suis toujours Grapside, on va aller sur du chat. On est sur Paléto, on va redescendre. Route 68, c'est vous savez là où il y a la flic à l'étoile, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi? 11, je peux pas trop parler, ils sont ouais. Allez vers la route 68, au niveau de la flic à, etc. Vers le bar et compagnie. On a dit un Yuga blanc, ok. Vers 11, on décroche de la tank badraille, on se rapproche de 02. 02 et 98, c'est laquelle qui conduit, s'il vous plaît? Moi aussi, 02. Et 98, mettez-nous au courant par texto à chaque fois sur la conversation, au lieu de faire des calls radio si jamais vous êtes vu. Ouais, en moment plein de petites pauses. Et l'unité qui était Tongva, ne bougez pas, gardez, il y a déjà deux unités, je crois, qui se rendent sur 98, c'est largement suffisant. Décrochez, okay, c'est reçu, il y a une HP qui est passée devant nous, il y a deux valeaux noirs, bleus. Continuez vers la route 68, on est vraiment dessus, on a juste on attend de vous croiser. Parce qu'il y a le problème, c'est qu'on lâche la Tongva, donc à tout moment ça peut passer. C'est qui est chiant. Ok. Non mais le nord. Ok, ils ont pris la route inverse, ils sont repartis à Sandy Shore. Ok.
vu que vous êtes en Oscar, évitez vraiment au maximum d'utiliser votre radio, hein, comme l'a dit Riz et le capitaine. Envoyez Oscar, c'est quoi? C'est anonyme? Ou utilisez des... Oh, c'est un YouTube anonyme. On va obliger Riz derrière nous. Oh merde. Oh yuck yuck. Oh merde. Lui, je me cachais à la base. Ok, on repose. Non mais la route sans dicheur, c'est elle, non, du coup, qui les suit? Je sais pas, peut-être qu'il y en a plusieurs. Je sais pas si j'ai eu le temps de prendre la plaque. Bon, je vais les suivre moi aussi. Ouais, vas-y. Oh, y'a pas de plaque. Y'a pas de plaque, si y'a une plaque. Y'a une plaque là? Ouais, je la vois moi. J'ai récupéré la Mogul RS, là je suis en train de la suivre. Ils font genre les gentils avec moi là. Ah oui, une plaque. Véhicule qui se rajoute à vous, n'hésitez pas, Risa. Notre véhicule qui allait se rajouter à nous, donc faites attention. Si jamais on n'a plus personne hein, qui prend la GOH. Voilà, vas-y, on se le call. Si, c'est une unité de chez vous, donc allez-y aussi. Sans masquer. Je vais envoyer du coup une HP sur ouais. La GOH. Ouais, s'il vous plaît. Adam 113, on va procéder à un contrôle sur une Buffalo noire homme masqué à l'intérieur. C'est reçu, envoie nous la pause. C'est ma gueule. Sur la discussion. C'est nous, c'est nous, c'est nous, vous l'avez dit. Non, c'est nous, c'est nous. Ouais. Ah putain, merde alors. Pour les... Ah, ben, c'était même pas masqué. Pas la discussion. Oh putain, ah, ouais. Je suis trop con. C'est un chapeau. Bon après, tant mieux, au moins ils se diront pas, la Buffalo c'est des keufs. Ouais, ouais, c'est bien, moi ça lui libide. Les agents du Nord qui étaient masqués? Non. Une HP va s'y rendre. Mais ça se trouve à Grapside frère, ça se trouve y'a un labo. Je la vois la mogule là au fond. Je l'ai vu à gauche là. Frère, ça se trouve y'a juste un labo ou quoi? Non? C'est possible. Parce que là je vois pas de mule, je vois pas de truc là. Peut-être des plantations hein. C'est juste, ils ont vu des plantations. Cette station essence croisement Seigneur à Rod et Joshua Rod. J4. Pourquoi ils tournent comme ça? Après lui, on l'a attrapé, il est allé jusqu'à Sandy Shore, tu vois. Il est allé Sandy Shore, il a fait demi-tour au niveau du LTD, il est revenu là. Je contrôle? Ouais, on n'a pas vraiment de raison là. Bah si, il est trop drôle. J'ai vu que j'étais toute seule dans le véhicule. Sur le côté, s'il vous plaît, sur le côté. Quel endroit, s'il vous plaît? Ouais, pas de problème. Bonsoir, monsieur dame. De là, ancien poste de police. C'est 10-4. Je suis en train de me chasser. Croisement route 108, on est positionné si tu veux venir par là. Allez, de la chance. On va partir pour le moment. Il était dans le sud à part la capitaine. 30, je décroche. Je suis là, je décroche casino. T'es vers où là, 26? Bahamas, ils sont en train de me chasser. Ok, roule pépère. Roule pépère, ok. Roule pépère. On leur fait un petit plan au niveau de. Tu sais qu'il a là. Et te colle pas à des murs, d'accord? Ils vont essayer de te bloquer. Ok. Et t'es quoi? T'es en anonyme là dans la voiture? T'es en Oscar? Ouais, je suis en Oscar. Et en fait, je suis toute seule. Ils s'étaient eu un souci, du coup, ils ont fait demi-tour quand ils m'ont vu. C'est quoi le véhicule au cas où? Quoi? C'est quoi le véhicule? Moi je suis en Buffalo noir et eux sont en Mogul RS bleu. Mogul RS bleu, ok. Ils sont combien dans le véhicule? 4. Je vous dis. Ok, essaye de prendre la direction est, d'accord? Tu prends direction est et tu roules vers le casino autant que tu peux. Le plan du commandant, hein, le plan tequila là, je sais pas si vous l'avez en tête. En fait, on est loin là du tequila là, non? Non, ils sont deux véhicules maintenant, ok? Je suis au niveau du Rockford Plaza, je vais aller... direction est. Comme m'a demandé Riz. Voilà. En tous les cas, nous on arrive en renfort sur la Seigneur Freeway.
Qu'est-ce qu'elle branche toute seule déjà? Je sais pas. Elle était avec qui? Cachez-vous, hein. Cachez-vous si jamais vous êtes placé. Non, on n'est pas encore placé là. Apparemment, il y aurait des mules suspectes suivies par des buffalo. Ah, tu disais, je suis pas loin de toi, je crois. Ok. Je suis en bas du terrain de foot. Ok, donc, ils m'ont perdu, je les ai perdus, ils ont fait un accident. C'est où qu'ils ont fait l'accident? Potentiellement au niveau du casino. Ils ont fait l'accident où? En dessous du casino. Il y a, si vous la regardez dans le groupe, il y a une mule suspecte aussi de l'autre côté, faudrait que des unités viennent dessus. Pour ceux qui n'ont pas le groupe, s'il vous plaît, pour les unités HP sur radio. Ok, je les ai, ils sont en direction Colina. Ils sont sur la seigneur accrue pour la mule suspecte. Ok, deux unités qui se rendent sur la mule suspecte et vous me faites un contrôle dessus, s'il vous plaît. 10-5 pour notre unité, nous on est déjà dans la Colina là actuellement. Ok, c'est bon, on y va. Allez, 3 km 5. Deux véhicules bleus dont une Mocule RS et je peux vous assurer que ça me chasse fort. Hein. Ouais, bah je les ai les deux là. Là, il y en a une qui reprend direction nord et une qui passe devant le PDP. Faudrait vraiment mettre d'autres unités dessus. Une mobile a fait demi-tour sur nous, elle nous suit actuellement. Allez, raccroche le téléphone. On arrive vers. Sors du véhicule s'il vous plaît. Bonsoir. Vous êtes convaincu tout seul. On sort du véhicule et on va contre le mur. Le copain aussi sort du véhicule et il va contre le mur. Allez-y, allez contre le mur. Actualiser les 10-20. On a reçu un appel, apparemment vous suivez une gentille petite dame qui est en voiture. On peut savoir pourquoi? Moi je suis non du tout. Si si. Madame 113, on procède si, si. Au contrôle d'une... Bah alors là vraiment pas. Si, vous et vos copains, vous la deuxième Mogul RS bleu. Pourquoi? Mais moi je la suis pas moi. Bon, jouez pas au con avec moi, si vous jouez au con, je joue au con. Préviens. C'est juste au cas où... Je sais même pas c'est qui... Vous savez pas c'est qui? On est d'accord, donc je suis fou. Je suis fou, je suis un menteur. On a pas vos backups côté HP nous hein. Aucun des deux, je sais pas c'est qui. Donc vous décidez de prendre... Vous prenez le chemin du con. Non. Ils sont en station essence, oui, en face de l'unité textile. On a un véhicule, une primo a rejoint la module, on est... Vous avez une carte grise et permis de conduire? C'est toi qui as tous mes papiers, regarde dans mon portefeuille, hein, Lisa. C'est Givonil, hein. Ah, c'est Givonil. Oui, c'est du coup, tu peux regarder la carte grise dans mon bureau, j'ai tout mon permis de conduire. Non, c'est pas le tien. Tiens, permis de conduire et carte grise. Continuez. On tourne pour l'instant en place des cubes en vous attendant. Permis de conduire. Pour rappel les véhicules, pris par les mots. On est juste derrière vous. Attends, du coup, carte grise. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Et lui, il est muet, lui. J'ai une idée. Non. Et c'est elle. C'est quoi la plaque? PW6-1BYQE. Si vous vous faites chasser ou vous êtes... Ok, bon, écoute-moi. On est chassé. Tu te remets à chasser des jeunes filles innocentes. Je te mets une balle dans ton crânium, d'accord? Tu comprends, Jivon? Oui, allez, circule. Parfait, merci. Oh, on va pas de la soirée. Des flics, on ressort actuellement. Bonne soirée. Ok. Comment ça, ça se fait chasser encore? Mais je crois qu'ils sont sur unité d'HP, faut faire attention. C'est vous la buffe noire? 10-4, c'est bien nous. Ok, qui, okay, qui se fait chasser là? J'ai terminé mon contrôle. Allez, collègue. Y'a quelqu'un qui se fait chasser là? D'un côté y'a la module, où est-ce que vous avez fait votre contrôle? Ouais, Jivon Hill, il avait son permis, il avait la carte grise. Là on se fait chasser, où vous avez fait justement votre contrôle? Ah ok, d'accord. Bah j'y suis là, je te vois pas. On va revenir dessus, on va revenir exactement à l'endroit. C'est une module RS bleue encore? Exactement. T'arrives de quel côté? Ok. Contrôle d'une primo bleue, on s'occupe de la prise d'identité, etc. On les avertit et on repart. Ouais, il est repassé là, si tu montes bon, si à droite. À droite là? Non, c'était derrière nous, c'est quand tu remontes vers la colline. Ouais, puis l'anticiper. Mais... Oh, putain, on est mort. Mais je pense qu'il te chasse juste parce que t'es une buffalo, hein, Austin. On va aller changer de véhicule, je pense. On va dans le nord, on va changer de véhicule. A mon avis, ils sont intrigués de savoir quitter. Ok, 26, toi t'es où? Je suis en face de la Mesa. Toujours toute seule? Ça y est, 17 m'en rejoint. Ok. Et vis-à-vis des mules, c'en est où du coup? Rien du tout.
Ah mais les collègues, je pense tant pis hein. Je pense qu'on s'est loupé. On a loupé le coche. Mec, ça va faire 30 minutes là. Hein. Non, c'est pas, hein, c'est bizarre quand même. Bah oui et oui et oui et non, hein, oui et non. En vrai. Attends, c'était eux. C'était eux ou pas? J'ai pas la plaque. Si c'était eux là, je les ai croisés en bas là. Je suis vide ou pas actuellement? Va sur le côté, va sur le côté, va sur le côté. Et raccroche le téléphone. Moi je suis suivi, je viens d'en apercevoir. Toujours sentinelle ouais. Au Mogul RS, je sais pas. Là, là, HP. Là, HP. 113, on est en 1056 d'une Mogul RS occupée 4 fois. La Mogul revient sur nous. Suivre encore. Hein. Ouais, affirmative M26, on est devant le poste de la Mesa direction Nord, elle est en train de nous suivre nous. Il était pour nous aider. Moi je peux pas là. 10-4, on arrive, tu sais où? Ok, rejoignez-nous devant le casino. On arrive. Croisez une HP, j'ai fait le call radio. Mais personne en série. Tu veux que je demande une unité supplémentaire là ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on demande des unités radio 1? Vas-y, attends, au pire, je m'en occupe. Je pense pas qu'il y ait besoin. Par contre, il y a deux agents dans le nord qui sont en train de se faire suivre par les Mayans. Pourquoi les gens ils nous suivent? Je demande un renfort ou pas? Non, elle a dit non, elle a dit non. Non, c'est Meta. Il y a l'HP devant. Ah, ils arrêtent. Jusqu'à ton arrive. Attention, Frigite. La HP, ils ont arrêté, monsieur. J'ai pas un plan. Je suis derrière toi au cas où. 26 dans la banane. Ouais, t'as vu, t'as vu. Je crois que j'ai vu un truc. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Regarde bien, regarde bien. Ouais, tu l'as vu, tu l'as vu. J'avais dans la épaleur bleue, monsieur Wesley Ice. Amendé pour défaut de service. Il est con ou quoi, lui? Loulé, les mains sont actuellement au niveau du LHQ Storm. Mais ça. Ah, il est con, non mais pardon. 113, ça a essayé de nous faire un plan pour nous braquer au niveau de Frigid. Deux véhicules, vous avez véhicules. Une sentinelle SG4 qui est en train de partir et une Mogul RS également. Direction. Ok, direction. Direction War Dogs pour la sentinelle. Et Ah mais en mode il s'est dit je vais le body block. Mara pour la Mogul. On a la sentinelle. Donc c'est super. 10-4, on va venir en renfort derrière vous. Non mais ils se sont mis à Frigid et il y avait un mec au milieu de la route avec son pétard qui a essayé d'arrêter ma voiture. Tu sais ce qui s'est passé Baptiste, tu le sais? Oui, tu le sais. Oui. Attention ici, il peut bloquer. Tu vis toujours ou pas les Mayans? Vous avez un gros bison et je sais pas. Gros bison avec des motos, c'est ça? C'est ça, avec des motos autour. Ils vont vers direct sur Meriwether. On va essayer de... Faudra mettre Franklin la prochaine fois pour me bloquer, enculé va. Là. Mais c'est Jivon, mais c'est Jivon. Jivon, je vais te baiser ta mère, arrête-toi, Jivon. Jivon, t'es mort. C'est en face de l'ancien qui est parti au bloc. En face de vous. Jivon, t'aurais pas dû faire ça, Jivon. Tu vas passer la soirée à cellule là, Jivon. C'est la Sierra 11 derrière vous. Okay, ouais, parfait, parfait. Toi, tu sais quoi, poursuis celui de gauche, toi. Moi, je prends celui de droite. Okay. Celui à gauche, c'est Jivon Hill, le conducteur. On va l'être encore plus bientôt, t'inquiète pas. Oh là là. Est-ce que vous avez besoin d'aide ou pas? Ça va essayer de piéger Riz. Ils ont besoin d'aide, je pense, avec Riz. Allez, on arrive. Vous allez dormir à l'hôpital, hein? Non. C'est soit toi, l'hôpital, soit les cellules. Arrêtez-vous, c'est mieux pour vous. On arrive aussi, d'absurde. Attention, la module RS a décroché de derrière Riz, on est en 56 de cette dernière. Côté Riz, tout va bien ou pas? Côté Riz, tout va bien. Je vais bien. Je crois qu'arrive sur le vision, vous avez des maillages qui étaient dans le chemin de terre juste à droite de là où vous êtes passé. Gars, vous faites pas braquer 11. On rentre dans les rails. Tu vois, côté agressif, franchement, des fois. Franchement, là c'était bien joué, c'était pas mal. En fait, il y a des petits moments, tu vois, là je peux pas par exemple. Mais. Tu n'es la backup s'il vous plaît pour les maillages? Il y a deux motomaniens qui sont sortis
vers Casse-Buche, etc. Parce qu'on a Casse-Buche, train, tout ça. Oh, bah je me fais chasser par le bison et la motoman. Je monte direction El Burro, plein nord-est. Et je vais tourner direction Colina. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une mission kidnapper des keufs là ou kidnapper des gens, c'est bizarre. Je suis derrière vous, Rich, fais attention. Le bison Mayans a tenté aussi de nous bloquer légèrement. Vous avez pas l'impression? Du coup, moi je suis toujours chassé là, je pars direction Post Mission Room. Ok, je vois que vous avez pas l'impression. Bah, moi perso, j'ai l'impression. Je suis derrière vous. Ok. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne quoi. Après, je sais pas, j'ai pas la sauce infuse. Hein. 10-20, ouais. Ils ont lâché et ils repartent sur la collina direction nord-est. Et ça me fait penser à ça quoi. Pas vous? C'est quoi ton impression? J'ai pas écouté. Riz, est-ce que vous avez besoin d'aide ou pas? Non, j'ai pas besoin d'aide, mais juste je parle dans le vent quoi. Non, on vous écoute. J'ai l'impression qu'ils ont une mission et ils doivent nous prendre en otage. Ah oui, bah oui. Non, Darwin a annoncé qu'il y aurait un flic mort ce soir, donc peut-être que... Ça sera pas moi, 26, je te préviens. Sierra 11, on est toujours en 10-56 sur une sentinelle G4 bleue occupée X fois. Sierra 10-35 de 10 fois. Sierra 88, on est typo. 4, on est actuellement le long de pétrole direction nord. Skate, on arrive. Appelez-moi ou rentre cette nuit. Ok. Je vais pas te lâcher, enculé. Oh, il aurait pris à gauche, j'étais mort. Oh, va te faire foutre, Riz, va te faire foutre. T'auras pas mon buzz. T'auras pas notre buzz, enculé. Du coup, les collègues, je pense que comme a dit Riz un peu plus tôt, on a complètement fait la mission des Pounders avec la drogue dedans. Effectivement, capitaine, hein, j'ai... Oui. Diversion, hein. Merci. C'est plus diversion, bien sûr. Attends, parce que je suis en course poursuite. Y'a quoi à manger, Jus? Thibaut! Ouais, je m'en vois. J'étais Roden. Ok. 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 Ouais. Non, mais l'autre qui se met au milieu de Frigid, sérieux. Il a mangé un coup de pare-choc. Je te jure, il en a perdu les rotules. Avec les Mayans vient de rentrer à la station de pétrole. Eh, il va bien celui que j'ai fauché ou pas? J'ai reçu aucun colis visible. Il est dans cette voiture ou dans l'autre? Il est pas dans celle-là en tout cas. Non mais ils peuvent faire des clips hein. Là j'ai les épaules, autant des fois je fais des bêtises. Mais frérot, je suis là, Buffalo STX 0 à 100 en 2 secondes. Il y a une primo qui s'est mis au niveau du parking blanc encore. Il s'est dit je vais me mettre au milieu. Même si je voulais m'arrêter, j'aurais pas pu. Même si je joue mon fire, je freine, c'est trop tard. Il est juste derrière vous. Il rentre, enfin il passe sur l'intersection le bourreau là. Si j'ai écouté radio. Il a dit il primo elle s'est immiscée dans la poursuite, je l'encule la primo, je t'encule toi et elle. Non pas toi, j'ai rien, toi je t'encule pas frère, ça se trouve tu fais M92. Ça se trouve t'as fait 10 ans de MMA. J'ai pas envie de te menacer tu vois. Mais t'as capté l'idée quoi, t'as capté l'idée. Non il a pas dit ça. Ah c'est pas lui. Oh putain merde alors. Ah si, il a pas dit ça radio, il a dit attends si, il a dit une voiture marquette qui s'est mise. Une voiture qui s'est mise dans le truc, après il a parlé du bison et ils ont retrouvé le bison. Il est reparti direction El Burro. Allez, sur vous. Ouais, ils ont lâché, ils repartent direction El Burro là. On va 10-19 le nord, bah. Pour changer de véhicule, on va prendre un véhicule complètement grillé. Ça va pas? 10-4. Ouais, coup, si ça va, ça va. Suivez-moi, connard. De nous faire choper, vous êtes très soir. Je pense que le conducteur a crash. Elle avance plus. C'est ma théorie. Il y a Darwin qui a. Ah, mais ça me fait chier, elle était déjà niqué sa voiture, frère. Putain. J'ai eu un mal de crâne, il s'est passé quoi? Ouais, bah le conducteur aussi, d'en face c'était trop drôle. Il est rentré dans le mur ce gros con. On a vu deux véhicules qui étaient à l'arrêt sur l'autoroute à ce niveau-là. On a plus une unité derrière nous.
Non, on n'a pas besoin. De Adam 26, on y va, on a remarqué. C'est sur l'autoroute au-dessus. Affirmatif, lui au parking rouge. Il a fallu la mettre. Ok, reçu une autre unité qui vient, s'il vous plaît. Ou un truc comme ça. Je crois que c'est impossible pour nous, on devrait pas aller. Ok, je vais demander à Joël. Oui, oui, oui. Oh, ça aurait pu être tellement crap si t'avais... Ouais. Attention ici, dans cette rue. Si possible, quelqu'un racole sur la date 98, s'il vous plaît. Si on suit. Du coup, c'est bon, mais ils tournent beaucoup au niveau de Elburo, station de pétrole et tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer aussi à Elburo, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit sur ce prison là-bas. Avec pour information. Putain, tu veux pas nous lâcher, toi, hein. Je vais pas vous lâcher, enculé, arrête-toi, c'est mieux pour toi. C'est pas mieux pour moi. On t'a dit, c'est soit l'hôpital, soit les cellules. La violence ne résout rien. Ta gueule, pétasse. Oui, alors, super. J'ai un connard. Sur son côté nord. Connard de merde. Ah, c'est un tir ancien quartier au bloc. Tu t'as tiré dessus? Non, juste plan mille, plan mille. On est derrière la demoiselle là. T'as réussi à passer, tu l'as toujours? Je l'ai plus, je l'ai plus. Ah putain. C'était quoi? C'était la Mogul RS bleue que je poursuivais, toi? C'était G4 bleue, bande blanche. Ah oui, ok. C'est le G1. Ok, du coup, c'est moi qui vais me prendre un plan 1000 maintenant. De toute façon, c'est G1 Hill 11, hein. On sait c'est qui. Et fuir les deux véhicules qu'il y avait au-dessus de l'autoroute, hein. Un bowler bleu, et là, il va en direction de la Mesa. Elle a voulu m'assassiner. Hein. Vous l'avez vu. Hein. Putain, j'ai envie de le dire, mais. Mais ça, vous trouvez pas que j'ai redoublé sans but les poursuites? Ok, il risque d'y avoir un autre plan. Sur l'autoroute au-dessus de ces derniers 10-35. C'était où qui t'a fait le plan mule? Parce que je suis à Wardog là, 11. C'était Frigid. Ok. Ok, c'est reçu. En train de, d'amender le plan mule là, c'est bon. Oh putain, j'étais concentré. Y'a toujours besoin de 10-35? Ah si, on est en train de se faire chasser par un bowler bleu. 4, faites-nous les 10-20, on arrive. On est sur l'autoroute au-dessus du parking rouge. Négatif, il a pris en contrebas. Ah, c'est good. C'est bon, il est parti. 10-4. Toujours une unité qui suit un véhicule potentiellement bleu. Oui, moi. Toujours le même depuis Bubblewed. Du coup, il y a des plans qui sont en marche actuellement. On est en train d'essayer de les déjouer. Hein. Ok. Mais je vais vous baiser vos mères, arrêtez-vous bande de petits enculés de merde là. Oh. Oh. Je vous préviens, je vous pite. Je vous pite. C'est écrit, je vais partir en couille. Pique-moi, je vais partir en couille, Riz. Vas-y, pars en couille, petite salope. Je vais partir en couille, ça va pas être joli, Riz, je te jure. Tu vas partir nulle part. Ah, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Je te jure, ça va être tout moche, les gars, je te jure. 10-38, pardon. Arrête, freine pas. Moi, un conseil que je peux donner, c'est freine pas. Fais gaffe à comment tu tournes, je te le dis, là, je suis agressif. Hein. Mec, il est plein mule, c'est sûr. Plein mule ici, c'est sûr à 100%. Attends, aïe. Je t'avais dit, freine pas. Préviens-les. 56, on a potentiellement un plan mule au niveau des villas entre l'hôtel Vinewood et le tequila là. Au pire, on essaie d'essayer en plus vite.
Alors, on est actuellement au hôtel Vinewood. Il va re-emprunter la route. Il est fou, il est fou. Ouais, ouais. Il est derrière nous. S'il vous plaît. On va y aller, on va y aller, attends. Y'a quoi? Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sors une! Plusieurs ne sera pas de refus, hein, si jamais ils arrivent à faire descendu, ça. C'est bien ce que je pensais. Non, non! S'il vous plaît. On va descendre du nord. Allez, let's go, tout le monde dessus. Le véhicule quoi, poursuivez. Véhicule bleu. 10-4. Pourquoi ils sont debout eux? Alors, ils remontent dans le nord ou pas? Je vais faire une backup et que ça me relève. S'il vous plaît, ça a tiré. Tout va bien? Aucune idée, on n'a pas de nouvelles de 113 ni de 107. On est à 700 mètres. 10-4, Adam 18, on est à 500 mètres. 1 km, on arrive. 700 mètres, on passe par le sud. J'ai tiré arme automatique au niveau des troupes. Direction est dans les villas, il est monté là en face. Allez go. Je crois que je vais essayer de le couper par la montée sur son service. On est en visuel, ils vont arriver au niveau de Vinewood. Vinewood, on descend en véhicule. Coloro. On descend, je vous dis, on fait le tour. Prends ton bloc côté est, la rue. Arriver potentiellement sur ce 1035 là. Ok, Tyson. Environnant. Ouh. Oh, on est sur le dernier 35 et demi, ok. Vous cherchez dans les environs. 10-4. Pourquoi ils sont debout, ces gros cons là? Tyson! Non! Non, Tyson! Oh, il va bien. Il est t'es sûr, il va bien? Il est conscient. Elle est armée, elle est armée. 8-9. On vous écoute, capitaine. Allez, allez. Du coup, je viens de recevoir un appel de Michael Darwin. Ouais, ils sont debout. C'était du LSD et de la weed. Merde. Je passe à Radio 15. C'est 08. Capitaine, vous pouvez mettre des activités. On est actuellement tous dans le sud. Oh putain de merde. Je vais vous faire une backup globale. Une backup EMS. On a eu une fusillade dans le sud. Est-ce que nos collègues sont des criminels sur celle-ci? Et ça va bien pour toi? 10-4, je suis avec 26 et 17. On a une fusillade entre. Il a pas hésité, non mais attends. Les gars, je les braque, ils sortent du véhicule avec leurs armes. Encore heureux ou pas encore heureux? S'il vous plaît. Y'a des gens habillés en tenue de chantier dans une camionnette grise qui arrive sur vous là. C'est nous. Ok, merci. 05. Ah ouais, mon Tyson, tu m'entends? Mon Tyson, je les ai niqué, mon Tyson. Quoi, je les ai eu, mon Tyson. Oh, j'ai les fous. Non, mais on est en train de la gérer, vous inquiétez pas. Il faut que vous veniez m'aider, y'en a un qui est derrière la palissade là. Une personne. Là, mais je sais pas comment. Attends, je vais te le faire passer, d'accord? Est-ce que pour 107 et 113, c'est ok de votre côté? Ah, moi, c'est ok, par contre, 107, c'est pas ok, 26. Est-ce que si tu. Attends. Est-ce que là dedans t'arrives à le récupérer? C'est le porte là. Je l'ai. Tu l'as? Ouais. Ok, impeccable. Ah bah super les collègues. Y'a pas de soucis. Quoi? Oh merde, tu l'as fait tomber. Désolé monsieur. Hop, venez avec moi. Et venez me chercher au poste 85. On a le bowler bleu là. Sur les crimes, c'est pour voir. Alors attention parce que le bowler bleu poste, a tenté tirer, plusieurs passé, fois quoi, de faire des plans. Si jamais c'est des creeps, le bowler bleu ils ont plus de renfort, d'accord 26? C'est reçu. Bordel. Bah ouais les collègues, j'étais seul avec Tyson hein. Parfait. Et peut-être vous avez effectué les premiers soins à quel individu? Juste à 107 pour l'instant. Ok. Il en manque. Vous avez besoin d'aide, les collègues? Vous trouvez le mec que t'as cherché ou pas en 13? Ouais, mais attends, mais il en manque. Ah, mais non, il y en a qui ont réussi à fuir, je crois, non? Je l'ai mon grand. Ah, là, 5, ok, d'accord, là c'est bon. Là, il y a le compte.
Oh bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils ont voulu me tuer les collègues, Eh s'il vous plaît, il y en a un là, chacun qui s'occupe des premiers soins sur chaque. Oh putain, pardon, excuse-moi. C'est l'adrénaline, je suis encore sous le choc. En chemin, ils arrivent. Ah. OK. Ça va, vous êtes pas blessé? À part 107. Écoute. Je sens que la situation est un petit peu. Bah moi ça va. En vrai ça va. Je crois que j'ai pas de sang qui coule. Oui, vous avez dit quoi? Je crois que je vais repositionner au niveau de l'autre. Fiafi, pour l'instant on est sur la fusée qui s'est passé dans le sud. On va faire entrer des unités, savoir ce qu'on fait, si on sort les radios une ou pas, vu ce qui vient de se passer là. Ouais. Putain, les creeps. Toi, tu es blessé juste derrière. Oh, bordel. Ouais, c'est bien. Information du capitaine, en fait, le convoi, je serais parti il y a peu de temps. T'es blessé au niveau. Non, mais les gars, c'est à cause de Valorant. C'est à cause de Valorant, les mecs. Voilà, tu vois. Échangeur, ça m'a chauffé quoi. Les cartes. J'ai une légère compression au niveau du vent. Je crois qu'il y a 2-0 en plus. Hein. Est-ce que vous pouvez vous occuper juste de l'agence 107 avant. Ça, c'est au niveau de la faute pour la dame Austin. Oh là là là, l'hécatombe. Ouais, tu m'étonnes. Oh là 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 là, je suis sûr que ça a encore votre coup à vous, monsieur Riz. Ouais, c'est moi. Ouais, bah ça m'étonne plus. Ça m'étonne plus. Je suis le seul debout. Ça m'étonne plus, franchement. Vous les avez eu ceux qui ont réussi à partir en fuite là? Ah messieurs, okay. Il va falloir FF15 là au bout d'un moment. Ça serait... une demoiselle qui était en fuite. Ah oui, ok. Elle va bien elle? Allez, monsieur, ce que vous par 17 si je dis pas de bêtises, en tout cas, elle était armée, elle a tapé un peu sans souci. Ok, ça serait bien de savoir pourquoi ils voulaient nous attraper en fait, ces petits enculés là. 2-1, ils m'ont niqué une fois. Vous voulez que je vous aide ou pas? 10-4, bonne soirée. Tu vois Glenn? Hein, dis-moi quel agent du Nord aurait fait ça, hein? Quel agent du Nord il aurait fait ça, dis-moi. Ta sœur, tu vois ta sœur? Non, ma sœur elle travaille pas au Nord, je te jure, elle travaille pas au Nord, ma sœur. Eh ben non, elle travaille autre part. J'ai pas de sœur. Ok, très bien. Mais pour bientôt. Au vol. Tu poses 88, je suis sur le parking. J'arrive. T'en as pas marre de tirer sur des gens tous les jours, toi? J'en ai pas marre, je te jure, c'est eux qui ont commencé. Tous les jours. Non, c'est faux. C'est faux. Il t'arrive ça qu'à toi. En gros, regarde, ils sont arrivés là et en fait ils m'ont fait un plan. Ici, attends, je te raconte. Le plus possible, d'accord. En fait, je suis arrivé là, je poursuivais la Mogul RS et il y a la Primo qui est sortie, qui a essayé de me bloquer, tu vois. Sauf que moi j'ai réussi à passer parce que je m'attendais à une mule, pas une Primo qui essaie de me braquer, tu vois. Il voulait ta peau ou quoi? Ouais, en gros, du coup, moi, tu vois, ben là t'as tout. Genre, je roule jusqu'à la Primo, je sors de mon véhicule, je suis comme as. Si vous sortez une arme, je vous baisse vos petites mères, les putes, tu vois. Eux, devinent ce qu'ils font. Ils t'ont tiré dessus. Ils sortent de la voiture et ils me braquent avec leur petite arme. Moi, du coup, je fais quoi? Là, les trois, boum, je leur allume leur grand-mère, les putes. Puis après, là-bas, il y en a quatre autres, tu vois. Du coup, là, sur les quatre autres, j'arrive à en avoir deux, leur petite mère, les putes. Mais il y a la dernière, là, je suis un petit peu dégoûté, la rue s'apporte en coin. Mais parce que je leur ai baisé leur petite mère, les putes. Mais sois un mec normal. Mais tu vois bien que je suis pas un mec normal, je vais te coucher 5 personnes. Je suis pas un mec normal, Glenn. Comment tu veux que tu me dises sois un mec normal? Je suis pas un mec normal. Je suis pas un policier normal. Je suis pas un policier normal. Tous les jours tu tires sur des gens, c'est pas normal. Sergent chef, capitaine, je vais vous demander un service. Oui, bien sûr, 18 quoi. Est-ce que vous pourriez vous reculer de à peu près 5 mètres s'il vous plaît, histoire de couper calmement des indices? Ça marche. Non mais c'est bon, je me suis calmé 18. Non mais il m'a dit sois un mec normal, je suis pas un mec normal. Je vois bien 18. Je suis la faucheuse, je suis la mort, je suis le mal incarné. Je suis pas un mec normal, je suis la mort, je suis la faucheuse. Vous avez... parle comme un flic, parle comme je un flic. Suis l'Undertaker, je suis croque-mort. Parle comme un flic. Je vous conduis à la tombe, mon enculé trip. Oui, je suis fou, me regarde pas comme ça. Oui, je suis fou, oui. Oui. J'ai le goût de leur sang. Gars, je prends mon doigt, je mets un peu de sang sur ta main. Je me lèche les doigts remplis du sang de mes adversaires. Mais tu comprends, Glenn? Il y a les balles dedans, ils sont pour lui. Sergent chef, vous voulez pas prendre votre petite pilule, s'il vous plaît? C'est bon, hein, je vais me calmer. Non, mais on va appeler un psychologue, Riz. Allez, viens ici. Ça va te faire du bien. Un petit psychologue là pendant une petite semaine là. Quand même. À vous faire enculer, bande d'assassins, vous baise. Ça, mon Tyson? Et voilà. J'ai de la chance, c'est passé juste au j'ai desserré un peu le bandage. Là, ça ferait juste au-dessus de l'estomac. En plus, Tyson, contrairement à la fois quand c'était l'IA, tu te rappelles? Là, c'est toi qui m'avais bloqué. Là, ça va définir déjà. Je vais vous laisser.
Oh, ça va aller. Mais je t'ai laissé, je t'ai laissé. Et quand j'ai vu que t'es tombé, je me suis dit yes, je vais pouvoir prendre la pause. Ah moi j'en ai mangé 3, pas plus. Oh là là. Ouais. Après j'ai voilà la foule qui s'est abattue en bas. C'est pas grave Tyson. L'essentiel c'est qu'on a gagné. Je ne sais pas où s'en est. Ça c'est bien vrai ça. Tu t'es occupé de l'agence en 7. C'est vrai, par contre, t'as fait. Ils sont combien là? 5. Okay, ah oui, c'est pas mal. Il a besoin d'un retour. Oui, on va là. M4 a crié. Attends, je juste. M4 a crié. Ah, j'étais un peu dans les vapes, juste j'entendais. Drr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 r
Je suis pas sûr. Tu l'as mise ? Ok, bah c'est bon. Bah moi, de ce que je vois, c'est bien légèrement au niveau de l'épaule, mais à mon avis, ça doit être vraiment pas grand chose. Si vous voulez, on peut quand même examiner à l'hôpital pour être sûr. Bah de toute façon, regardez, je vais à l'hôpital et on va faire un petit examen plus profond. Voilà. Allez, il me suit la racaille. Allez, racaille. Allez, on y va. On a fait la vérif des véhicules. Les collègues, ah oui, vérifiez. Est-ce que vous pouvez vérifier l'intérieur des véhicules et en vrai. Regardez, y'a rien dans la primo. Ok, bah la mogule aussi. Mais faites quoi, madame, vous montez avec moi? Bah, faut qu'on me ramène à l'hôpital aussi. Les collègues, vous pouvez la ramener la dame à l'hôpital, s'il vous plaît? Ouais, on s'en charge. Vas-y, allez, va avec eux. Là, ici, là. Ouais, va avec eux. Parfait. Ça sera mieux. Merci. Vérifie qu'il lui reste plus rien, qu'il me fasse pas le coup de je te mets un glock sur la nuque. Ta gueule, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Espèce de pétasse, moi. J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Pétasse, moi. Je sais que t'as mal là, je vois t'es en train de gémir, tu miaules, qu'est-ce que t'as mal ouf. Elle va te faire foutre, moi. En fait, il a mis du temps à arriver le tasse. Là, si je commence à fourrer mon index dedans, tu vas faire quoi? Ah, ça fait mal, hein. Shane, arrêtez là, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi vous êtes mis dans la police, vous. Pour pouvoir tuer des gens, mon vieux. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Putain, là quand tu vas finir le travail là, parce que je reconnais pas le chemin de l'hôpital. Oui, je vais finir le travail, exactement, tu me suis bien. Je vais finir le travail, mais il y a un monde où je le finis pas. Il y a un monde où je le finis pas, mais ça va dépendre de toi. C'est quoi, écoute-moi bien, je te fais confiance. Oh merci, gnocchi. Je vais pas vérifier, je vais pas mettre des petites mains dans tes poches, etc. Merci mon frérot, merci Thibaut, si je t'aime. Tu sors un truc, t'es le meilleur, je Thibaut. Pose la canette, c'est compris. Je vais rien sortir. Qui t'a intérêt à rien sortir. Allez, descend. Vas-y. Allez, petite racaille là. Donne-moi tes mains, lève-toi. Ah putain. Allez, avance. Mais t'avances, oui. T'avances, espèce de petit sac à merde. Ah oui, bah oui. Allez, avance. Ah là, ça améliore pas la pile, hein. C'est la rééducation dans l'eau, c'est après l'opération normalement. Oui. S'il y a eu d'opération. Ça c'est pas sûr. Qu'est-ce que ça signe là? Bon, on va parler de la médecine par les poissons. Tu connais la médecine des poissons? Ouais, mais ça enlève les peaux mortes, mais là c'est moi, je vais mourir carrément. Ah bah peaux mortes, t'as bien dit les termes. Bon Tyson, viens voir. Reste là, t'en bouge pas. T'as vu là, je dois manger mes petits gnocchis. Du coup, pose lui les questions de savoir pourquoi ils voulaient nous prendre en otage, en gros. S'ils veulent pas, s'ils te disent pas, on le tue. Ok. RAS sur la GOH pour Sierra 11. Bon champion. 5 pour Adam 30. Comme je t'ai dit, il y a la médecine des poissons. Mais je pense qu'il y a un monde où tu peux t'en sortir potentiellement. T'étais missionné pourquoi là? C'était quoi ton truc là? Pourquoi vous nous chassiez? Pourquoi t'avais envie de nous attraper là au niveau de Vine? Je vais sauver mes cuisses. Non, regarde. Non. Bien pris. Tu penses que tu vas réussir à nager sans les mains? Du temps là, j'ai juste un index. J'ai mon index à mettre sur ton épaule, je te pousse, tu tombes à l'eau. Non. Et je te dis, tu vas aller blablater avec les poissons. Je vais te dire la vérité. Je voulais aider mes queuses. C'est en difficulté, vous les suivez, je vous ai vu niveau. Comment ça s'appelle ce bordel? Putain de merde. La munition là. Vous les suivez depuis là-bas et depuis on vous a suivis. Et on voulait juste vous braquer pour les laisser tranquilles. Voilà. Ah, braquer. Non, d'habitude les gens ils font des plans mules. Ils font des plans mules. Ah, un petit oui, plan mule. Oui, un plan mule. Sauf qu'un plan mule ça finit souvent mal avec les STX bleus. Ah, je pense qu'un plan braquage ça finit encore plus mal. Hein. Je pense que c'est l'exemple maintenant. Fallait expérimenter. Je suis pas sûr que ça soit la vérité. Tu t'appelles comment? C'est vraiment la brave MK. Oudini, tu vas disparaître. Tu vas disparaître comme Oudini. Oudini, c'est un magicien, je pourrais pas enlever ses menottes. Oui, ben on va te faire disparaître comme lui, tu vas voir. Ouais, voilà. Oh, magnifique ça, Oudini, magnifique. Tu vois, on va te mettre dans l'eau, on va voir si jamais t'arrives à retirer tes menottes. C'est un tour de Oudini, ça, Tyson. Là, vous confondez un américain et une ville italienne. Là. Mais non, Oudini, c'est un magicien. Oui, mais je suis pas Oudini, moi. Bon, mis à part ça. Ok, Oudini. Mis à part ça, là, le truc, là, t'as essayé de me braquer, etc. T'es pas missionné sur un petit truc ce soir? Rien du tout. De la drogue qui circule en plus comme ça, ça devient. Moi, je sais que la mogule était en poursuite, on est venu l'aider. Moi, je vais t'expliquer. C'est tout ce qu'on a fait. Je vais t'expliquer pourquoi t'es un bon petit menteur. Parce que vous avez passé votre soirée à chasser des keufs, d'accord? Du coup, c'est pas faux. Ça, c'est le premier point. On a pas chassé de keufs. Tais-toi, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi? C'est. Au lieu de faire un simple plan mule,
Vous faites un petit plan, on essaie de les braquer. Donc en gros, toi tu me donnes les bonnes réponses, on gagne du temps et tu gagnes de l'espérance de vie. Toi tu me donnes les mauvaises réponses et je vais chercher des informations là où il faut. Et si j'ai l'impression que tu m'as menti, attends. Je vous dis la vérité. Et si j'ai l'impression que tu m'as menti, ce qui est très honorable, puisque vous dans la rue vous êtes pas des snitch, pas vrai? Vous êtes prêt, vous êtes prêt à mourir pour pas snitch. Pas vrai? Mais là c'est même pas une question snitch, c'était le seul. Non mais réponds. L'action que j'ai fait. C'est ça. C'est vous êtes prêt à mourir pour pas snitch. Ouais, mais... Eh ben tu vas mourir pour pas avoir snitch, tu vois? Mais là je snitch pas, y a personne à snitch, j'étais tout seul, je suis venu tout seul pour les. Ouais, je suis tout seul pour l'aider. Ouais. T'étais dans quelle voiture, toi? T'étais dans l'Impaler? L'Impaler, tu crois que je vais chasser des cops de merde avec une Impaler? Celle qui était derrière là, c'était quoi comme voiture? T'étais dans quoi toi? Une Primo, non? Une Mogul. T'es derrière quoi? Première Mogul. Non, moi j'étais dans l'Impaler. Ah! J'étais en face de lui, j'étais pas couvert par la voiture, il m'allume en plus. Okay. Ah oui, t'es le mec qui les a lus. Oui. D'accord. Bon. Rafferty, pardon, et il vient de rentrer dedans, et de moto. Et enlève tes mains là, putain. Laisse-moi tranquille. Le bison est de couleur beige crème. Non, il est vert. Ok. Pas dans la position de négocier, Eugénie. Oh putain, son code c'est 000, Tyson. Oh là là. Ah, mais l'erreur du début, t'en as, Eugénie. Ouais, le Face ID, ça marche pas avec là-bas. J'aime pas ce genre de technologie. Une porte. Tu fais quoi là? Range. Ah, je fous là, je regarde dans tes messages là. Non, la dernière fois que t'as fait ça, ils ont pris un. Là, je regarde dans H-Ray G-Say là. Eh, bah, va voir, tu vas voir toi-même que ça chassait pas des coups. Oscar, nous. Une autre unité peut venir, s'il vous plaît, c'est cool. T'as un bourreau, c'est ça? De 30, on est pas loin, donc je le fais mon plein gré. Je suis parti sauver la Mogul parce que vous, les poulets, vous êtes une race de merde. En train de décharger le bison, donc peut-être, je sais pas. Attends, il décharge où le bison? Redis, excuse-moi. Raffinerie, à l'intérieur de la raffinerie. Elle fait des allers-retours depuis tout à l'heure. On va se mettre en marqué au niveau de la caisse de bus au cas où, d'accord? Parce que la dernière fois que l'un de tes collègues on lui a pris son téléphone, ça a mal fini, je crois. Ouais, ça l'a pris pour une snitch, ouais, exactement. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de payer les prix. Pour nous, on se respecte avec notre voiture, donc juste. Mais tu, le premier qui vient me dire que je suis une snitch, je me bats à mort avec lui. Oh, 34 ans que je suis dans la rue. Il a des notifs Dark Shot, Tyson. Il a des notifs Dark Shot. Ouais, mais je suis jamais le Dark Shot. Comme ça, vous savez. Que c'est inutile, hein, je t'envoie rien du tout, à part des infos qui me concernent pas. J'utilise jamais le Dark Shot. H-Ray Gitan. H-Ray Picasso, bon. Je sais pas, Tyson, t'en penses quoi? C'est dans tes mains, Tyson, c'est dans tes mains. Là, faites pas de conneries, là. Je sais pas, hein. Franchement. Il y a une moto qui arrive. Moi, tu sais, quand je me mets à table. Actuellement, on est autour d'une bonne table. Ah, bah, c'est elle, du coup. On a une bonne platée de spaghetti carbo devant nous. Là, c'est comme si on avait pas mis la crème fraîche dans les carbo. Ouais. Là, j'ai la haine. Ouais, là je commence à avoir la haine, mais quand j'ai la haine, quand j'ai la dalle, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. De l'autre côté du muret, de la dernière. On est deux à avoir la haine. Donc, Houdini, soit tu mets la crème fraîche, la sauce que tu veux dans mes carbos. Je te donnerai rien de plus que ce que je t'ai dit, ça me concernait. Et si t'es pas content des informations, de la pure réalité, je vais pas aller te donner une autre information, quoi que ce soit. Est-ce que je crie du Sparta avant de lui mettre un coup de pied? Je crois qu'il va aller faire un petit tour, non. Un petit tour avec la poscaille, hein. Non. Genre, je crie This is Sparta. Ou je crie Sparta. Désolé, j'ai pas compris où c'était exactement. T'en penses quoi au Ginny? T'en penses quoi au Ginny? Sparta, c'est pas mal. T'es pas tenu pour le faire. Il monte, ouais. T'as dit quoi? J'ai pas entendu, pardon. Moi, j'ai dit que t'es pas en tenue pour le faire. Ça va, hein. Vous semblez que ça c'est un coup de pied, un coup de pied, non? Il m'a allumé, Oudini, moi j'étais par terre. Sparta, Oudini, Sparta. De toute façon, on va se revoir. On va pas se revoir, tu vas crever. Non, tu vas rester au fond de l'eau, je te dis. Je mourrai jamais. Allez, dégage. Non! Filé ou pas? Attention, ouais, de la filature, j'aurais dit potentiellement. Ah non, c'est vraiment pas. Oh putain, Tyson, c'est profond, hein! Ah oui? Prends vos 10-20-02, hein. Ah bon, mais je suis une paquette. Le 30, la position actuelle, s'il vous plaît, du bison, là, pour tenter une filature. Pas de visuel.
Ok, il repart. Contresens de la. Aizen de la Delpero Freeway, d'accord. Non, négatif, à l'arrière au niveau des rails. On en fait quoi? La Delpero Freeway, au niveau. Ils vont railler ça là. On s'en débarrasse ou on le garde celui-là? Qu'est-ce qu'on va faire au Jenny? Il tourne de magie, disparaît son décor et. Ils sont à la fin, on a essayé de les suivre. Bon. Voilà, au Jenny, il a le droit encore à faire un dernier spectacle. Pour l'instant, j'essaie de les voir. Attends, je mets des petits coups de pied dans la temple là. Oh, Jenny! La voiture là qui était sur place. Il a dû un coup de pied sur le torse, ça va faire. Je mets des petits coups de pied là, je mets des petits coups de pied dans sa petite temple là. Eh, arrête-toi! Alors, Jenny? Vous voulez qu'on parte sur du short? Je veux avoir sur du short, s'il vous plaît. Ça serait bête que ça soit ton dernier spectacle quand même. Plutôt. Ok, ça redescend là. Est-ce qu'à nous dire ou pas, Jenny? Dis tout ce que vous avez à dire. Je sais pas, il y a un cuir, mais je sais pas si c'est un cuir Mayan. Viens le scanner ici là. Appelle lui des EMS. Houdini, si jamais tu snitches, qui vient de se passer, il y aura pas de prochaine fois, Houdini. Hein. C'est reçu 30. Vas-y, prends le volant, on va les aider. Vas-y. Triton, on a une marquette, s'il vous plaît. De notre côté, on va se passer à l'intersection casino freeway. Franchement, Thibaut, il a tenté un truc là, il a essayé de me faire des gnocchi carbonara. Et franchement, c'est pas très bon. L'information qu'on a, c'est qu'une moto avec un cuir est non identifié et remontée niveau Colina direction plein nord. Mais c'est rare que je critique un petit peu les plats de Thibaut. Hein. Je vous prends un témoin. Mais là. Je sais pas si les gnocchis ils sont mal cuits ou quoi. Ou c'est parce que je suis habitué à manger équilibré ces derniers temps et que là il a voulu me faire plaisir, je pense. Je pense qu'il a voulu me faire plaisir parce que je vais souffrir au deuxième repas, tu vois. Ouais, Dame 113, on va également se placer là-bas. Sur la moto, c'était une femme ou un homme? Femme, mais après il y en avait plusieurs d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est principalement le bison, s'il vous plaît, le bison. Franck, je suis sur ce. J'ai le backup. C'est reçu, 30. En fait, les gnocchis sont tout mous. Moi, ce que je veux dire? Du coup, nous, je pense que ça avait été un peu croustillant, ça aurait été bon. Avec une femme cuir non identifiée encore, elle remonte plein de nord actuellement, passe à côté de Brolin Bourville. Scan, elle passe par l'autoroute s'il vous plaît ou par la fauteuil? Par la freeway. 4. Tu l'as interpellé cette femme ou pas? Non, vraiment. Ok, vous avez besoin de 10-35 quelque part? Faut juste la filer pour le moment. Ok. Besoin de 10-35 quelque part ou pas? Négatif, si vous pouvez peut-être vous mettre en anticipation à hauteur de l'échangeur sur du short vu qu'il y a déjà l'autre alarme qui va y être. Ok, j'y vais. Et pourtant, franchement, tous les plats de Thibaut, même des fois des plats que j'étais pas censé aimer sur le papier. Short, s'il vous plaît, ouais. Qu'est-ce que t'appelles l'échangeur exactement? Le après Dino Rose, l'échangeur, la sortie de la frivo au niveau de son du short. Ok, ouais, c'est reçu. Bolingbrook. Actuellement en route 68. Adam 18, on retourne en imposant. Ok, c'est bon. On était où du coup? Bah là, apparemment, ils filent une motarde sans cuir. Tiens, là, ils sont en route 68. Je sais pas trop, de quoi ça parle. Tu peux avec eux? Qui file et vous négatif, on a que la moto. Vous voulez qu'on contrôle le bison ou pas du tout? On essaie de filer le bison, devant un endroit, faire des allers-retours et sembler déposer des choses à l'intérieur. Ouais, mais s'ils rentrent chez eux, on contrôle quand même ou pas? Non, pas besoin, moi je préfère pas en vrai, il avait raison, 30. Est-ce que vous voulez que j'anticipe et qu'on se mette devant leur club? Comme ça, si jamais on voit qu'ils vont dans leur club, on les contrôle un petit peu avant. Vous pouvez mettre à ce moment-là au niveau de l'église par exemple. Vas-y, fonce. Ok, j'y vais. Le 30, de notre côté, on va se mettre. On a décalé, on va se mettre au niveau de la route 68, route Fouette Blanca. Oh putain, la mogule RS. Passe son club, la moto. Avec les survivants. J'ai le bison. Okay, route 68, il revient à un croisement route 68, il a fait un gros demi-tour off-road. Croisement route 68 dans à 25 secondes là. Je prends. Aïe. Ah, je suis bourré, je suis complètement bourré. Je vais pas qu'il me voit, je vais me mettre là. Relativement vite, il va arriver au niveau de la pompe, pompe à essence. Il va direction est ou ouest? Depuis la Fuente, il passe station essence, il va vers l'église là. Ok, il va être juste en face de nous. Il fait le plein actuellement, station essence, route 68. Ouais, il va être juste en face de nous. Est-ce que vous voulez qu'on le contrôle? Pour moi, on n'a pas de motif suffisant pour le contrôler, 113. Ok. Faut
pu diaposer les choses, mais il n'y avait pas de personnes masquées, ni d'armes, quoi que ce soit. Okay. Pour le coup, si, si, ils étaient masqués. Hein. Ah. Ok. Bah, bon. J'aime Moto qui rentre dans le... Bonjour, messieurs. Le messieurs, vous allez bien? Honnêtement, les collègues, vous voulez pas qu'on... Vous êtes qui, vous, hein? Pour ce soir, on voulait éviter qu'ils surveillent l'endroit. Oh, t'es un faux keuf, toi. Sachant que déjà que je non, sais je suis bien réel. C'est un rookie. Ah, ok. Il apprend, il apprend. Ok, ça marche. Bonne chance, rookie. Il y a un rookie du Nord. Ouais, ouais. Oh là là. Putain. Ça veut dire quoi, ça? Du coup, je disais, vous avez dit qu'il y avait suspect. Bah, si tu penses que. Moi, je te fais confiance, Trent. Si tu penses qu'il n'y a pas assez de. Moi, je pense que c'est tôt et franchement, on a vu des gens déclarer des trucs. Ok, écoutez-moi, je vais trancher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que je voulais faire de base. On va aller anticiper pas loin de leur club de Mayans. Si jamais on voit qu'ils vont vers le club de Mayans, on les contrôlera. Si jamais ils y vont pas, on continue de les suivre, ok? Donc Tyson et moi, on fonce au club Mayans. Ils sont au niveau la position. Ils étaient pas en train de mettre de l'essence, t'as dit? Ils sont potentiellement déjà rentrés, comme on vous a dit, les avions étaient juste à côté du club Mayans. Après les Mayans, on devrait même leur mettre une grosse descente dans leur grand-mère, tu vois, donc on... C'est demain. Ouais, je sais. Après, le truc qui est cool, c'est qu'ils ont dit qu'ils faisaient des allers-retours. Ils ont forcément vu l'endroit où il est rentré et sorti. Il y a le bison rouge qu'on a déjà croisé tout à l'heure avec des Mayans qui est rentré au niveau de l'aéroport Saint-Dichor. Et actuellement, on a un bison qui nous suit. Et je vous envoie la position. Camionnette. Le 30, on va aller voir au niveau de Saint-Dichor. Oh, il y a une nouvelle icône. Récolte. Ah oui. Le camionnette, je sais pas trop ce que c'est, je roule à 2 vitesses 68 qui redescend vers l'église, redirection plein nord. C'est quoi ce camtar là? Je sais pas. Contrôle le camtar, il était abîmé. Attends, contrôle pas, attends, normal volant. Oui, vas-y. C'est qui en HP, c'est un de nous? Ah, ça va être 11. Un FIF, c'est 11. Votre citref, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes encore suivi? C'est quoi le camtar? Bah, je sais pas, justement. Il roulait ultra vite, il a freiné quand il nous a vu. Oui. Vas-y, on va le contrôler. Voilà, on l'a sur nous. Il y a une module aussi qui passe au niveau de son t-shirt. Je pense qu'il y a un truc vraiment là-bas, les gars. C'est vous le speedo green? Non, c'est eux, justement. C'est parce qu'ils sont sur les... Ouais, mais attendez, mettez-vous sur le côté, c'est une seconde. Je vais essayer de les suivre en vrai, je pense. Il y a un speedo green qui est à nous, les gars, selon Claire. Avec deux personnes habillées en chantier. C'est bon, impeccable, super. Vous pouvez vous arrêter là. C'est à nous, sûrement. Ici? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est nickel. Ok, très bien. Vous savez pourquoi je vous arrête? Non, expliquez-moi. Ben, la vitesse et l'état du véhicule. Vous savez que de toute façon, je suis abonné ce soir, monsieur l'agent. Oui, ben, peu importe. Peu importe, peut-être que... La vitesse, je vous cherchais. Hein. Très très vite. Hein. S'il y a des gens qui descendent armés, je leur tire dessus, d'accord? Ok, c'est bien ce que je pensais. Ne faites pas cette erreur. On est là, raison, ça fait pas. Ok. Non, mais parce que je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire une deuxième fois. Hein. Et surtout que là, c'est en train de me mettre encore plus la puce à l'oreille, parce qu'à la base, j'allais pas vous casser les couilles. Hein. Vous les connaissez, ces gens? Non, du tout. Non? Non, non. Ok. Ils ont l'air de vous protéger un petit peu, ouais, non? On dirait que... De refaire le même parcours. Bon, je ne sais pas, moi j'essaie de rouler. Ça fait, vous êtes le quatrième contrôle en 20 minutes que je subis. Ah, là. Ah oui, vraiment? Bah, au bout de 4 fois, vous roulez toujours comme un con? Il y a des nouveaux Mayans qui sont de sortie. Bah non, pourtant. Ah, pourtant oui, hein. Il y a deux motos qui sont actuellement sur la route 68. Vous transportez quoi, là? Qu'est-ce que vous faites avec ce petit camion? Voilà, l'objectif, c'est que j'aille chercher de quoi remplir mes fûts pour mon bar. Remplir les fûts pour votre bar, ok. Au niveau de la chapelle. Dans le sud, c'était masqué en plus, hein. Dans le sud. Ok. Ok, vous avez une carte grise? Alors, elle appartient à un de mes collègues, monsieur Kylian Brennan. Non, j'ai besoin de la carte grise, j'ai pas besoin je l'ai pas sur moi, monsieur l'agent. Parce que c'est votre collègue, moi j'en sais rien, c'est votre collègue ou pas. C'est vrai, vous avez raison. Permis de conduire? Un permis de conduire, oui, tout à fait, j'ai. S'il vous plaît. Tenez. Y'a pas de catégorie sur un contrôle de la plaque? Nial Macrerie. Tout à fait. Ok, ben vérifie la plaque, hein, je sais pas moi. Il vous a dit quoi pour la plaque? Ouais, monsieur Kylian Brennan. Monsieur Brennan, je sais pas trop quoi là. Ouais, oui, c'est bon, ça correspond. Mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Ok, si vous voulez l'amender, vous pouvez. Non, je veux juste la carte grise, moi. Ah bah, je vais essayer de l'appeler. Ouais, appelez-le, appelez-le. Si vous l'avez pas, vous savez que vous allez pas pouvoir. Hein. Putain, mais je comprends. On va appuyer sur vous, hein. Oui, bah oui. C'est le quatrième contrôle, on vous l'a pas déjà dit au bout de la quatrième fois? Je vous avoue que vous êtes les premiers.
Ah oui, ouais. Non, non, il y a un des autres agents, il m'a dit, bon, vu que c'est pour le boulot. Dans tous les cas, j'allais le baiser. Hein. Mais la prochaine fois, faites en sorte de l'avoir. Mes collègues, À partir du moment où je fais ça, c'est que je sais que dans tous les cas, je vais le baiser. C'est le Logitech? Oui. Quand tu me demandes des trucs, quand il y a des gens qui vont prendre otage, vas-y, récupère-le par derrière. Je suis sur le Rampo, route 68, à hauteur de la chapelle, actuellement RAS, tout va bien. Attentif à l'esprit et les yeux ouverts. Ils sont ouverts. Oui, allô Kylian, dis-moi, est-ce que t'aurais ta carte grise là de ta mule? Ouais. Non? Putain, tu fais chier, c'est ton véhicule putain. Ciao. Bon bah c'est pas grave, bah tu vas devoir me trouver une autre mule pour que je puisse aller livrer le bar. Ok, bon bah je t'envoie une position pour venir me chercher. A toute. Ah merde, j'ai pas mes sabots sur moi. Bon, bah je pense qu'il va rester là. Ben je pense qu'il va rester là, oui. Vous travaillez quoi, au Yellow Jack? Non, 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 non. Je travaille au bar irlandais. Ah et pourquoi il y a marqué Yellow Jack dessus? J'en sais strictement rien. Comment ça vous êtes pas autorisé? C'est les clés de sabots qu'il faut pas... Vous avez acheté un camion de casque? Ouais, je pense que oui, c'est ce qu'il a fait. Oui, oui, c'est vrai. Ah, on s'en sort. Mets dans le coffre. Ok, ben on va le prendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bah écoutez, oui, bah oui. C'est un sabot pour l'immobiliser au pire, et puis si jamais vous avez la carte grise, et ben on vous l'enlèvera, hein? Bah oui, on peut faire ça si vous voulez. Ouais. Oui, mais bon, ça se trouve, il y a des bombes là-dedans. On va regarder. Vous savez ce que vous transportez là? Rien pour l'instant, vous m'avez dit, hein? Il y a des gens qui travaillent. Je sais pas du tout ce que je transporte. Comment ça, vous savez pas? Attendez, vous m'avez dit que vous alliez récupérer de la boisson pour votre bar. Oui, oui. C'est un peu plus suspect, non? Vous me dites. Donc il est vide là, c'est jour, hein. Bah, quand je l'ai pris, on m'a dit qu'il était vide, oui. Un véhicule garé. Attention, j'ouvre la porte, la première. Je disais qu'ils peuvent se rendre, s'il vous plaît, voir si le chantier se passe bien. 10-4, on va se rendre. Pourquoi est-ce qu'il y a un chantier ou la boîte LSD, hein? Plein de cartons avec plein de papiers dedans, je sais pas ce que c'est, il y a plein de cartons. Ouais, 10 cartons, ça a l'air d'être des... Plein de cartons avec plein de papiers, Vous avez autant de papiers dans les cartons, c'est pour faire quoi ça? Non, j'en sais... Bon, c'est pour caler les... Caler les fûts, hein. Pour caler les fûts... Avec du papier? Bah, carton, oui, pour pas trop que ça bouge dans le camion, pour éviter de me retourner, oui. Regardez, il y a des cartons et il y a plein de papiers à l'intérieur. Mais ça, c'est pas des papiers, ça, on sent. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas que du papier, ça c'est... Ça c'est de la cam, ça, non? Je suis fou. Pas de la cam, ça? Essayez de prendre la plaque de... Bien sûr, hein. Attends, mais y'en a beaucoup, là. Y'a beaucoup de cam, là-dedans, là. Bah, y'a beaucoup de cartons, beaucoup de... Tyson, viens jeter un oeil, parce que je crois que je suis fou, là. Regarde l'œil 36. On guette. Reprenez le relais. Ah oui, ça c'est pas des billets de concert, ça. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? J'ai juste vu... J'ai ouvert un carton, quoi. J'ai pas non plus... fouillé. Ça a vérifié avec la scientifique, mais ce genre de papier, j'en ai déjà vu circuler. Hein. Ok, du coup, c'est quoi? On peut en prendre? Prends pas, c'est... Appelez votre patron, monsieur, appelez votre patron, là. Demandez-lui de venir, s'il vous plaît. Très bien. On attend de voir ce qui va se passer. Viens vite fait, Eric. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est... Moi, je suis de la highway, vous savez, Riz, hein. C'est plus mon affaire. Ah, moi je suis de la DO et j'ai l'impression que c'est des stupes, hein. On surveille le monsieur, Ok, on va voir comment il réagit. Ouais. Dans la boîte à gants, il y a un pétard avec des munitions. Comme ça, hein, c'est... Oh là là, mais il va tellement prendre perpète. Ouais, mais je veux juste voir comment il réagit, s'il va... Mais il y a un pétard dans la boîte à gants. Je l'ai pas pris, hein, il est toujours dans la boîte à gants. Et par sécurité, 11, une fois qu'il a appelé là, tu me notes, tu le pinces, hein, celui-là. Oui, il faudrait que vous veniez où je suis là pour préciser un petit peu. Qui est à l'intérieur? Ouais. J'aimerais comprendre quoi. Je vous envoie une position. Très bien. On a un grand dur qui sort, je sais pas si c'est vous. Remontrez-moi la pièce d'identité s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Vous les avez vus sur le côté droit de la montagne? Je les ai vus. Et la plaque ressort pas du tout, 30. 10-4. Voilà pour vous. On a plusieurs travailleurs. Ça fait longtemps que vous travaillez dans ce truc là? Non, plutôt de la caravane du même, tout. Où est-ce qu'il y a la porte? Vous voulez savoir pourquoi je suis arrivé dans ce bar? Pourquoi? Je travaillais au Red Bull de tabac.
J'ai travaillé avec deux semaines, j'ai pas été payé. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, il y a un bar qui ouvre. Trois personnes, ils viennent de regagner le tracteur. Et j'ai toujours pas été payé non plus. Vous avez pas été payé, et là en plus, vous allez payer très cher. Parce que là, si c'est ce que je pense que c'est, vous êtes dans un sacré pétrin, je vous le dis. Ah bon? T'as quoi, Riz? Ouais. Je le connais pas trop, si tu peux m'expliquer. Ça, en gros, 11, il me semble que c'est du LSD. Niveau du 10-38 sur le rhum. En vrai, je te dis, il me semble, mais je te jure que c'est du LSD. Je le vois 10 sur 10 là, comme si c'était. Comme si c'était de l'eau, genre, tu vois. Et encore de l'eau, ça peut porter en confusion. Genre, imagine, tu vois, je sais pas moi, des miel pops. Tu sais que c'est des miel pops. Ouais, bien sûr. Imagine tes céréales préférées. Les sous-marques, quoi, mais. Ben ouais. Pop, c'est vraiment top 1, j'ai pas peur de le dire. Est-ce que vous avez besoin d'un chien au niveau de. Ah, ça, c'est une bonne idée, Hank. Ouais, tu sais quoi, viens avec ton clébar. Je suis là. Nickel. Comme ça, on en aura le cœur net. Fais descendre le cléb. Il arrive, le patron? Bah oui, bah je lui ai envoyé la position, il devrait arriver normalement. J'espère en tout cas. Eh ben, chouette. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais, c'est au niveau des cartons. Là, on a entrouvert un carton. Ok, ben, je reviens là. Bon, je prends le temps au cas où ils veulent tenter un truc en vrai. Eh ben, chouette, chiffre, le mâchoire chiffre. Eh, le commandant, il va bien ou pas? Dernière nouvelle, oui, il est sur le rap contender pour un drag qui se passe un peu mal. Ok. Alors, c'est des stupes? Le chien il marque, après il marque, ça peut être poudre, stup, quelque chose qui marque, mais. Non, mais ça il moi. Il a marqué 30, la première fois. 30, c'est du LSD ça. Bah, j'ai pas fait ça. Vas-y, regarde. Bah, tiens, on va regarder. Rappelez-le votre patron. Rappelez-le votre patron parce que sinon c'est vous qui allez prendre, je vous le dis. Ok, ok. Mâchoire, viens parler, mâchoire. 10-4, pour les unités là qui sont derrière la moto. Ouais, les agents de police, ça patiente. Ouais. Parce que, et tout ça pour une carte grise quand même, hein. D'accord, bah ouais. D'accord. Vous arrivez du sud, très bien. Je leur passe le message. Non, oui, mâchoire. Pardon, mâchoire. Mais là, je commence. Monsieur, à... il y a quoi le monsieur pour lui dans sa cargaison? Ben, il ne sait pas lui-même. Non. En fait, non. Monsieur, à la base, pensait que son camion était vide. Il devait aller chercher des boissons. Ah. Puis dans un second temps, il transporte des trucs pour son patron, mais il sait pas c'est quoi. Il va falloir aller vite, parce que... Apparemment, ça serait du papier pour bloquer les fûts. Ah ouais, dis-lui, dans 3 minutes, on est plus là. Dans 3 minutes, ils sont plus là. Et à mon avis, du coup, ils m'emmènent avec. Oui, on vous emmène avec. Et on nique votre vie, A tout de suite. Dites-lui bien, on nique votre vie. Et oui, il veut niquer ma vie, je suis pas très fan de ça, par contre. Il a démarré du sud, il arrive. Mais je pense pas que ce soit eux qui avaient cramé le labo, Zokaya. Pas le même groupe. Eux, c'est des Irlandais. M'autorisez à fumer une cigarette? Oh bah, profitez, parce que vous allez Hein. Vous allez les payer cher, vous allez les payer cher en prison de la cigarette, hein. J'ai entendu aussi ce qui se passe un petit peu plus haut, là, sur la route. Non. Ouais. Je reste là. Il y a des mecs quand tu chantier là, il y a des travailleurs au niveau du labo de l'LSD. Ils sont 6 ou 7. Il faut des allers-retours, etc. Okay. etc. quoi. Ok. Voilà. 6 ou 7 au niveau du labo de l'LSD. Ok. Il y a déjà des unités sur place, moi je suis le filet, tout ça. Belle bête mâchoire. On n'a toujours aucune trace des véhicules annoncés. On va tous se redéployer en patrouille. Il y a pas mal de bordel dans le sud. Ok, ma petite 26, mon petit capitaine. Moi, je vais vous dire là. Le truc, c'est que nous, on n'est pas disponible parce que je pense qu'on vient de trouver une tonne de LSD. D'accord. Ouais, t'as bien entendu. C'est pas la radio qui bug, hein. Je pense qu'il y a une tonne. Une tonne, hein? Oui, une tonne. Comment un 10-35? C'est quoi un 10-35? Je vais vous faire reprendre votre plus tard, ok? À vos ordres, mon capitaine. A plus tard, au fait. Oh, l'autoritaire! Ah, ça! Attendez, mais c'est le rampo qu'on avait ici, du coup? Non, c'est pas un rampo, c'est un espèce de camion bizarre. Ah, ok.
Jack. Tic-tac, 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 hein. Mais qu'on parle pas du petit bonbon, hein. Oh, je me doute, je me doute. Bon, monsieur, là. Ouais, le tic-tac, là. Je suis un peu franc avec vous, là, si vous me faites plaisir, là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de camion, là? J'en sais rien. C'est le moment où ça part en France, j'en sais rien. C'est quoi cette petite histoire, le papier pour bloquer des fûts? Qu'est-ce que vous racontez? Ouais, okay. J'en sais strictement rien. Pour All Unit, Michael Darwin va bien appeler et m'a dit que d'ici quelques jours... On a le numéro de votre patron directement, je vais l'appeler. On devra faire attention du coup et mettre des masques à gaz. Pas plus d'informations. Okay, 8036. C'est toi qui es en train de refuel d'ailleurs. Occupé. Ouais, faites attention hein, tout le monde là. C'est reçu, bah tout à l'heure 11, il y avait deux véhicules, hein, ils sont venus là, c'est pour ça, moi je pense... S'il vous plaît. Je sais pas si lui il est au courant ou pas, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui étaient bien au courant de ce qui se passe. Hein. Hello. Oui. C'est vous la petite patronne? Si c'est avéré ce qu'il y a dedans. Le patron, oui, c'est moi, oui, pourquoi? Bah, il va falloir venir hein, là pour justifier ce qu'il y a à l'intérieur du camion. Hein. Et bah, j'arrive. Mais vous arrivez dans combien de temps? Parce que nous, on a pas que ça à faire. Il va falloir qu'on arrête le monsieur, qu'on fasse les papiers. Là, on pense qu'il y a une tonne de LSD, quoi. Bah, non. Je vous ai remercié. Ah, moi, j'en suis sûr, je suis expert en DOA, monsieur. C'est la drogue. C'est la drogue, hein. Vous parlez quoi, des tickets cartonnés là? Les tickets, ouais, je parle des tickets cartonnés, ouais, c'est ça. Mais non, c'est pour mon pub, vous êtes fous quoi. C'est pour votre pub, moi j'ai. Ouais, bon, écoutez, venez me le dire en face. Et bon, on arrive. Super. C'est pour son pub, des tickets cartonnés. Toujours attends. On arrive. Ouais, tu sais, c'est des dessous de verre là, que tu montes sous des pintes de bière pour éviter de salir la table. Faites une petite photo pour le dossier des primes là. Tu sais que c'est un petit peu là. Ok, attends, tu sais quoi, je fais. Bonsoir, futur capitaine, vous allez bien? En plus, je dois aller voir la référence. J'en ai pris 5 sur moi si jamais. Hein. Pour garder au cas où. Regardez, capitaine, ce qu'il y a dans le camion. Je regarde. Bah, on voit. Ouais, on voit. J'en ai pris 5. Pas trompé, hein. Mais il sortait 12, coquinou là. Il est où d'ailleurs? Bah en fait il roulait un petit peu comme un trou de balle, du coup on a fait un petit contrôle et le monsieur il avait pas de carte grise. Donc du coup on a poussé le contrôle. Non mais quel amateur. Pas de carte grise. Et du coup bah qui dit pas de carte grise dit immobilisation du véhicule. Bah ouais. Mais évidemment. Après enfin, je dis ça mais j'ai eu 4 contrôles avant, j'ai continué à rouler. Non, c'est faux. Ah, si les gens font pas leur boulot. Ah si c'est vrai. Finalement il a avoué que j'y avais pas eu 4 contrôles. Comment? Vous aviez dit finalement il y a pas eu 4 contrôles. C'est sorti de votre bouche, pas moi. Ah non, j'ai été contrôlé 4 fois avant vous. Peu importe le nombre de contrôles, les agents ont juste pas fait leur boulot. Est-ce que j'avais les matricules oui, ces agents là, ça m'intéresse. Oui. Oh non, si vous savez, je. Mais il a dit, on m'a pas contrôlé 4 fois tout à l'heure, ça je comprends pas. Pauline, chemin ou route principale C'est quoi son nom prénom à lui? Lui c'est. Je me rappelle plus. J'ai doté, mais le bar d'Akriri. Comment vous dites? Nyan wow. Makriri. Bah, tu es. Vous êtes connu de nos services de police, monsieur Macri? Un petit peu, oui. Ah, pour quel fait? Trafic de stupéfiants? Au hasard? Non, du tout. Non, du tout. Non, mais c'est monsieur Nyan Makriri, c'est ça? Pourquoi on reste là? Attendez, mais monsieur Nyan. On attend le patron. C'est ça? Comment? Non. Parce que lui, si c'est juste un livreur, moi je veux le patron. Que je rembauche aujourd'hui? Évidemment. Non. Toddy, je l'ai laissé de côté. Vous savez pas quoi, sergent chef et capitaine? Ouais, quoi? Ouais, monsieur, je crois que vous voyez les salopards qui vous dit d'envoyer des trucs en bas, c'est forcément un truc bizarre. Ok. À tout moment, ça juste à rafale. Hein, répète? Les salopards là que vous lui prenez des trucs l'autre soir, attention. À la DOA là, le soir. Okay. Et bah, monsieur, c'est un des messieurs qui a fait le plan mule. Non, c'est lui. M'attendez, mais vous prenez pour qui, sans déconner? Devant. C'est le patron, ça? Où est-ce qu'il est, mon employé, là, que je lui mets? Putain, mais il est vraiment venu le patron, non mais je suis à l'envers. T'as bourré, c'est ça? T'as conduit bourré? Mais non, j'ai pas bu encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui le souci, là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce camion, hein. Ah, c'est un contenance, ouais. Vous avez bien pris les calvaires, on est bien d'accord? Oui. Oui. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai chargé, moi, je prends le véhicule, je roule et basta. Je tiens un pub, c'est des calvaires, vous savez, pour poser des verres. Ok, et moi je suis lead de la DOA, monsieur. Vous savez, là, ce qui est spécialisé en drogue. C'est bien. Ouais, ok. Hier, le conducteur, ou avant-hier, je sais plus, était sur un plan de. Et après, ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous pouvez pas dire à un forgeron que c'est pas une épée.
Bah là on peut pas dire au barman que c'est pas des cacahuètes là. Voilà. Je comprends pas. On peut pas dire à un alcoolique que c'est pas du whisky. Mais c'est ni du whisky ni des cacahuètes, c'est des... Comment on appelle ça? On peut pas dire à... Je sais pas moi, on peut pas dire à un voiturier que c'est pas une voiture. Et donc les bocs ils sont en carton. C'est ça? On peut pas dire à un chien que c'est pas un chien. On peut pas dire à un cheval que c'est un cheval. Oh, vous savez, en 2024 quand même. C'est vrai que c'est... Mais c'est, voilà, la c'est question ça, elle est pas vrai. Là, la question elle est pas là, la question c'est que vos petits calvaires de cons là. Oh. Eh ben. Mais... Shane, dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose parce que oh putain le patron il est venu, oui, non mais alors... Alors, disons que ce que le chef essaie de dire c'est que nous sommes des professionnels dans le milieu de la drogue et des gangs et que ce que nous transportons... Viens, viens, je te surprends l'oreille, viens, je te surprends l'oreille, viens, viens, viens le patron, viens, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens, 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 regarde, c'est des dessous de verre, c'est des dessous de verre. Ça sert à rien, moi. Bah ça a l'air en tout cas, oui, tiens, c'est ce que j'ai commandé. Vas-y, ouvre le dessous de verre, lèche le dessous de verre, vas-y, lèche. Bah c'est dégueulasse. Lèche le dessous de verre, je t'ai dit, lèche. Bah non, lèche le dessous de verre, vas-y. Bah non, c'est dégueulasse. Lèche le je te dis. Bah non, lèche le petit enculé, le dessous de verre, tu vas voir. Non, je ne le lècherai pas. C'est quoi là? Monsieur veut que je lèche le. Monsieur me dit que c'est des dessous de verre, du coup je lui ai dit vas-y, je lèche le dessous de verre. On lèche les dessous de verre, monsieur? Ah bah moi non, mais votre collègue a l'air de vouloir que je le fasse. Si c'est des dessous de verre. Ça fait vas-y, lèche. De lécher du carton, mais non mais c'est du carton, c'est dégueulasse. Non, je toucherai pas à ça, non. Si je peux me permettre, vu la taille du papier, à la limite c'est des dessous de shooter, mais. Et encore. Ça dépend, on a plusieurs tailles de verre, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, vous savez. C'est ouais, pour un gobelin. Et pourquoi le clébard? Pourquoi le clébard il a aboyé là quand il a vu ça? Quel clébard? Le clébard. Ramène le clébard 30. Ramène le clébard. Monsieur le clébard, non s'il vous plaît. Monsieur Brennan. Monsieur Brennan. Il y aurait eu 2-3 morceaux de carton. On peut penser que c'est des dessous de plat, il y a pas de souci. Il y a une tonne dans ce camion, monsieur. Une tonne. À vue d'œil. Ça fait beaucoup de clients à servir, c'est le coin vient de fermer, on a ta clientèle, on est surchargé de boulot. À vous de voir ce que vous voulez faire pour là-bas. Allez viens, allez renifle. Renifle comme t'as, renifle. La filature serait beaucoup mieux... Et je vous dis qu'il y aura des années de service le clébard. De quoi le clébard? J'espère... Écartez-vous un petit peu pour... Pas de clébard, j'ai un autre clébard. Mâchoire. Il y a deux véhicules, une clébard de l'autre côté de la montagne, côté... Il marche. Il a foulé là. Oh là là, le clébard. Attends, mais le clébard, attends, mais 30, est-ce que le clébard, tu l'as dressé pour renifler des dessous de verre? On va essayer de l'anticiper au niveau de la route de la Fuente. A priori, on va des poses, normalement, je cherche simplement pour ce qui est poudre, donc explosifs, munitions, etc. Ouais. Et pour ce qui est aussi narcotique, quoi, vous voyez. Narcotique. Ouais, narcotique. Nous, on va essayer d'anticiper la module. Oh, rien. Non, c'est bon. Si vous voulez jouer à ça, moi je suis la scientifique. Je prends les dessous de verre, je vais les analyser. Bah, les d'ici 24 à 48 heures, je donne une réponse. C'est ce que j'ai commandé en tout cas, moi. Ce que vous avez commandé. Jamais la module qui vient de partir. Moi, vous savez ce que je vais commander. Les dessous de verre, ils font 3 par 2 cm. Moi, je vais commander votre arrestation illico presto. Tu l'as ou pas, capitaine? T'as capté? Blague à part, rien à voir, mais vous avez la carte grise? Oui, du coup, la carte grise, s'il vous plaît. Non, toujours pas, y'a pas de carte grise, ça n'existe pas de carte grise dans notre. Oui, mon petit commandant. Oui, bonjour, excusez-moi, comment allez-vous? Bah écoutez, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, je vous mens pas. Ah ouais, ça se passe bien? On vient de trouver, je pense, une tonne de LSD, mon commandant. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est vrai. Dans les règles de l'art? Dans les règles de l'art, petit contrôle, le mec il a pas la carte grise. On fait un petit. Tu me donnes le sourire. On ramène le clébard il renifle, il est pas content le clébard, du coup on vérifie qu'il y a dans le camtar, il y a du LSD. Et le mec il nous dit que c'est dessous de table. Vous voulez venir parce que c'est marrant, il défend bec et on lui dit c'est des dessous de table. C'est où? Route 68, pas loin de la fourrière. C'est loin non? Ouais, un petit peu, si vous êtes dans le sud, ouais, c'est un petit peu loin, ouais. Ouais, la flemme. Mais vas-y, je te fais confiance, bien joué, je suis content. Merci mon commandant, merci. Et doucement, la vitesse. Ouais. Ouais, attention, capitaine. S'il continue à faire un numéro, parle-lui du pétard dans la boîte à gants. D'accord. Oh oui, vas-y, carte mystère. Non, mais on est dans le nord. C'est bien l'un de vous, la Buffalo. Bon, bah le patron il va venir avec moi, s'il vous plaît, il va se mettre à côté du copain. Monsieur, oui. Du coup, j'ai une question à vous poser, c'est un petit peu le plot twist de l'histoire. Voilà, je vous avoue qu'on est peut-être en fait monter la pression. Histoire 2, donc du coup, attendez, je récapitule.
Vous êtes le patron du quoi déjà? Du THB, si vous voulez. Du THB. Et vous, vous êtes c'est c'est le pub. Et vous, vous êtes le monsieur qui livre... Deux fois que le rancheur marron passe à toute vitesse. Ok, et donc du coup, à la base, il était censé être vide, mais finalement, il y avait des trucs dedans, c'est ça? Bah à la base, moi, on m'a dit, on a commandé les fournitures qu'il faut pour la semaine. Négatif, on est sur le côté. Du coup, il faudrait aller les chercher pour qu'on puisse réouvrir le pub au plus vite. Mais... parce qu'on a fait l'ouverture récemment et que ça a très bien fonctionné. Du coup, on n'avait plus rien. Mais à la base, vous m'avez dit, vous devez remplir les fûts. Qui se rappelle quand il m'a dit, oui, il devait remplir les fûts. Oui, remplir les fûts. Bah, tout à fait, oui. Ok, mais y a, là, déjà, premièrement, il n'y a pas de fûts dans la voiture. Ouais, y a un mec avec lui dans la voiture. Okay. Eh oui, 26, je l'ai repéré, ça fait une heure, 26. Excusez-moi, ok, du coup, tout à fait légal, quoi. Notre activité est 100% légale. Évidemment. Vous pouvez appeler l'IRS, vous pouvez appeler la mairie, tout est en ordre. Et donc dans votre activité légale, vous payez des hommes de main armés qui vous surveillent ou pas? Hein? Ouais, qui surveillent les camions, par exemple. Ah bah, non. Non, mais y'a pas besoin, c'est pas nécessaire, en général, quand on fait une activité légale. Ah bah non, pas du tout. D'accord, donc vous m'expliquez pourquoi votre petit chauffeur il avait un petit pistolet dans la boîte à gants? Oh non. Oh non. Vous avez recommencé. Ah, il est retombé dedans. Il est retombé dedans, putain. Bon, eh ben... c'est fâcheux. Ah oui, c'est fâcheux. Ah, c'est trop fâcheux. Ah, pour être fâcheux, c'est fâcheux. Oui. Non mais mis à part ça, non, notre activité est 100% légale. Et disons que le flingue, c'est bêtise, hein? Ouais, une bêtise, comme le LSD. De quoi? Le quoi? Bon, vous commencez à nous péter les couilles là! Hein, il commence à me faire chier! Ou sinon, c'est moi qui vais vous faire passer à table! Ah, je te le dis, il commence à me faire chier! Moi, j'ai pris les clés, j'ai roulé! La DOA, venez, on va discuter là, 2 minutes! C'est beaucoup plus simple que ça! Hein. Et moi, je faisais ma comptabilité, on m'a appelé, je suis venu, j'ai roulé! Primo fait le plein d'essence au niveau de l'aéroport, Osez! Ok, osez bon, dans le doute, puisqu'on va vous laisser le bénéfice du doute, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prendre, vous allez venir avec nous. On va récupérer la mule, on va la ramener au PDP. Ensuite, on va faire des analyses scientifiques parce que peut-être que le clébard il se trompe et peut-être que moi qui suis quand même un agent aguerri de la DOA, parce que je me trompe aussi. On fera des analyses et en fonction de ça, on décidera. Pas possible. Bah, très bien, de toute façon, on vous te suit. Hein. Ben, franchement, ouais. Sinon, je devais devoir le tracter, mais. Oui, tout à fait, j'ai les clés du véhicule si vous voulez. Je vais le conduire si vous voulez, comme ça, 26 passe en volante. Ok, bah super, ah bah, super bon collègue. Ça vous va, capitaine? Sur le allez, on me les pince, ouais. Il va jeter sa petite cigarette là, celui-là. Et pinçage, un dans chaque voiture. Et on va. On va directement entrepôt DOA, ok, les petits collègues? Allez, on va entrepôt DOA avec le camion avec toute la marchandise dedans. C'est ça? Ouais. Super. Oui, dans l'entrepôt DOA, oui. Parfait, à l'entrepôt DOA, on y va. C'est bien ça, monsieur l'agent? Comment? Dans le sud. Ouais, c'est bon. Ouais, dans le sud. Quelqu'un a la clé de la Washington derrière pour que votre collègue puisse repartir parce que je crois qu'il... Ah, je lui donne. Tu vois derrière? C'est bon, vous avez pas piscine toutes les putains de voitures qui passent, les collègues. Hein. Oui, c'est... Oui. Des... 30, tu veux être capitaine un jour? T'as envie d'être capitaine un jour? La question je pose pas pour l'instant, je suis... Oui, mais t'as... Oui, t'es SLO, mais t'as envie d'être capitaine un jour. D'accord, regarde, il y a un 4x4 qui passe, 4x4 qui passe, 4x4 qui passe, 30. Un 4x4 qui passe, 30. Non, si, regarde, il y a un 4x4 qui passe, 30. Il fait demi-tour sur nous ou pas, comme il n'y a pas l'heure, il y a 2 secondes? Non. Ah bon, bah voilà. Merci, il a fait demi-tour. C'est bon, on y va. Bon, allez, on me les pince là, pourquoi ils sont pas pincés encore ceux-là? Pourquoi ils sont pas pincés là? Allez, on accélère. Oh, on va pas courir, hein. Ouais, bah je vais vous pincer quand même, parce que si jamais il y a ce que je pense qu'il y a... Ouais, c'est bon. Si je lui ai enlevé le sabot. Non mais les collègues, quand je vais raconter ça à ma gosse, le patron il est venu. Quelqu'un peut fermer les portes, s'il vous plaît? Venez avec moi, venez avec moi, on y va là-bas. Mais pourquoi est-ce que je ne serais pas venu? Capitaine, pourquoi vous sortez d'autre véhicule? Moi, je sais pas. Vas-y, monte à l'arrière, monsieur. On prend les deux? Non, écoutez, moi, je ne montrerai pas, donc vous m'avez pas expliqué pourquoi j'ai des pinces. Bah, je vais vous expliquer. En plus, je vous ai vraiment, franchement, j'ai fait l'effort de vous expliquer tout de A à Z. 19-30. Je vous ai vraiment tout dit. Allez. Je peux pas faire plus clair. Fermer, hein. Si je peux. C'est quoi qui vous manque? Je ne comprends pas pourquoi c'est une Bérésina que je sois venu. Parce que après vraiment ça se trouve je suis fou, hein. Vraiment je laisse le bénéfice de la folie, mais peut-être que pour moi c'est du LSD que vous transportez, monsieur, hein. Bah non, comme je vous dis, ce sont des cartons de dessous de verre. Il y a 2 unités qui décrochent et qui vont sur les collectivement RSI. Putain, est-ce que l'un de vous a un truc à voir? Il faut, hein, vraiment.
Moi j'ai à boire, moi j'ai à boire, mais bon, il est menotté quoi, le con. Mais c'est ça le truc. Vous voulez passer au pub? On prend une petite bière? Non, franchement, non, merci. Oui, allô? Juste un temps de. Mélo. Je vous donne ça avec toi, Kadar. T'as mis tes mêlées, t'as mis les bouchons de rester ou pas? Comment? Attends deux secondes. T'as mis les bouchons de rester ou pas, Mélo? Oh, ça c'est terrible ça. Allô? Oui, allô? C'est qui à l'appareil? C'est vous qui m'appelez. Ah ouais, putain, je me suis trompé de numéro, excusez-moi. Pas de soucis. Adios. Collègue, je pense qu'il y a des gens au labo des LSD là actuellement là. C'est pour ça qu'on a envoyé encore s'il y en a toujours. Non mais ils abusent du fair play. Je veux pas ça moi, franchement. Ah je suis on s'il vous plaît, il y a eu un léger accrochage, regarde derrière vous. T'inquiète, je te vois. Shane qui est au volant, c'est pour ça. Aaron pour 0-2-1. S'il vous plaît. Ok, vous pouvez par radio, c'est reçu. Aaron, posez votre question, elles répondront par texto. Je vais vous le dire, monsieur. Hein. Ah, attends, elle fait pas chier, je suis occupé. Ouais, je sais, mais il y a deux options. Soit c'est pour me tendre un guet-apens, soit c'est parce que vous êtes peut-être beaucoup trop gentil, mais si c'est pour le deuxième cas, je veux plus jamais d'appel comme ça. La conversation, c'est quoi qui vous suit, s'il vous plaît? Quel véhicule? Il me parle de quoi là, les gars? Oui. Bonne soirée, monsieur, bonne soirée. Bonne soirée. Eh non, je veux pas, je veux enquêter, frère. C'est très bien, continuez les pauses, s'il vous plaît. On revient là sur l'autoroute. J'étais au téléphone, il se passe quoi avec, du coup, avec les collègues là de la DOA? On est là. Y'a des gens qui vous suivaient, c'est ça? Il y a deux motos qui suivaient, du coup, peut-être un du 02, mais on a racolé sur la route, le Mike. Une moto qui suit, elle se cache derrière la mule. Ok, bon ben. Donc, le 30, du coup, il y a du monde, à proximité immédiate du labo à l'ASI, on peut pas se rapprocher, c'est trop risqué pour nous. Vous confirmez que c'est toujours les travaux? Pas quel de confirmation temps de là où on était. Ouais. Vous avez dit quoi, monsieur? Je disais quel temps de merde. Non mais quel temps de merde qui annonce une soirée de merde hein pour vous franchement. Bah il paraît oui. Okay, J'espère que vous avez un bon baveux. Un bon baveux? Un bon baveux. Un bon baveux. Qui sont les collègues? Eh vous êtes où les collègues? Qu'est-ce qu'ils font? Non juste derrière ils arrivent. Je vais aller sur le truc du labo. Vas-y fonce. Moto seule, on la voit toujours, on est juste derrière. J'ai 98-02, d'accord. Ah bah c'est un avocat, monsieur. Vous êtes pas américain, vous êtes d'où? Irlande. Ah, Irlande, oui, c'est vrai, putain, je crois que j'ai déjà eu affaire à vous, non? Oui, un peu, oui. Je vous ai mis un coup de tête. Ah oui, oui, c'est bon. On va faire un truc, là, hein. Je sais pas ce que t'en penses, 113, mais chantier sur le labo DLSD, c'est comment? Ok, bah regarde, tu me laisses déposer les deux petits bonhommes, entrepôt des OA et j'arrive, ok? Shane, dans le camtar, j'accélère un petit peu, ok? Ça marche. Tu l'as passé l'entrepôt là, hein? Je l'ai passé l'entrepôt, putain. Est-ce que pour que tous les agents soient présents, on mettrait pas juste un bracelet on l'a passé l'entrepôt, au conducteur Shane. Et on le reconvoque? Bah y'a Shane, il est pas de la DOA, donc c'est ok. Je suis pas de la DOA. Ah si, t'es re de la DOA, putain, j'avais oublié depuis que t'étais capitaine. Bah oui. Descendez. Allez, mettez-vous là contre le grillage, s'il vous plaît. Vite, parce que j'ai une urgence là. Venez, je vais passer à boire. Venez, monsieur, venez. On a un balleur resté bleu qui s'est arrêté tout juste devant le local de la DOA. Quand il avait le camion. Peut-être que vous avez encore le véhicule là. Ouais, ouais, le camion, ouais. Parce que Michael m'a clairement dit qu'il y avait des choses à l'intérieur. C'est qui Michael? Michael Wood, qui vient de m'appeler sur mon téléphone pour me dire les combien de drogue à l'intérieur. Non. Ok, ouais, bah on. Ok, bon là. Tenez, vous pouvez boire, allez-y, monsieur. Merci. Il t'a réveillé avec la police ou j'ai d'arrivée? Shane, tu t'occupes des deux goyos? Je vais les aider au labo, ok? C'est cette histoire quand même. Vas-y, grimpe, Tyson. Attendez, monsieur, retournez-vous, je remets les postes. Ouais. Bon, j'arrive. 26, j'arrive, ok, ma petite puce. Capitaine, ma petite capitaine. J'ai entendu, à 113, ça marche.
Attends, faut que j'appelle Shane. Fais pas le RA, ok? Tu fais pas le RA, je le ferai. C'est un DA, je fais quoi? Je les mets juste sous bracelet? Ouais, faut les. En gros, si toi tu kiffes leur poser des questions, pose-leur, en vrai c'est bien. De savoir ce qu'il y a, et analyse LSD et ensuite on voit. Analyse, je sais pas faire moi. Je ferai, mais okay, moi juste un échantillon, je ferai, t'inquiète. 3-18-02. Ok. Si tu pouvais me parler radio, si tu pouvais au moins écrire un petit message. Pour le DA, c'est moi qui ai l'arme et les munitions. T'as dit quoi, t'as dit ça? Excuse-moi, je sais que c'est radio. Pour le DA, c'est moi qui ai l'arme et les munitions. Ok. Ils sont toujours là-bas ou pas? Ouais, ils sont toujours là-bas. On va trouver. Il était armé, c'est ça le type dans la bulle? Ouais, pistolet céramique avec 24 balles. C'est ça, et pour le reste, on mettra sous bracelet, je pense. Ouais, vraiment, toute la partie papier, je m'en occupe. Enfin, quand je dis je m'en occupe, vous avez compris quoi. Ouais. Ah, oui, on sait, oui. Je le connais, oui. J'ai juré, Lilian, t'es plus connu que certains joueurs du serveur, t'imagines? Là-bas, t'as plus de hype. Juste du coup, parce que Michael m'a appelé, potentiellement il était pas loin. Donc faites attention, ils sont très 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 armés. Dites plus qu'ils nous emmerdent à Michael Darwin, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, ça a été fait, ça a été fait. T'as entendu Shane? Vous avez entendu 11? Shane, 11. Ok, attention à Darwin. Hein. 30 pour les unités qui viennent au labo, on est sur 7 derrière devant le backup. J'ai 7, on arrive. Il n'y a plus personne au labo? Ah si. Ah si, ah si, si, si. 2,98, on est derrière, il y a une Buffalo et une Mogul bleue. On est celui-là, on est devant le labo. Ah bah on avait fait un point de ralliement, mais du coup on arrive. Allez, venez. Non mais attendez, c'est trop bizarre parce que en fait les collègues, j'ai reçu un appel et un mec il m'a dit ouais vas-y mets le LSD dans le truc et tout, tu vois. Du coup moi j'étais en mode ouais bizarre et tout. Mais en fait je pense vraiment que c'est un mec qui m'a appelé pour faire un guet-apens. Oui, comme 99% de tes appels, 113. Ok, regardez, je vais rentrer et normalement quand je vais rentrer ils vont tous courir vers l'entrée. Attends, on est pas là, 113. T'inquiète. On n'est pas loin, on n'est pas là, donc faites attention s'il vous plaît. Ok, 1, 2, 3, on sort en bas à droite. On commence à avancer vers les kayaks, hein. On est plus sur backup. Comment ça se passe? Les gens qui arrivent en courant. Je te l'ai dit ou pas? C'est vous ça? Oh. Tous les mecs en chantier arrivent. Tu vois. Tous les mecs en chantier arrivent, vite. Je l'avais dit. Interpellez-les. Ils sont dans le labo, en fait ils pensent qu'on est dans le labo, ils sont dans le labo. Je te jure, il pense qu'on est dans le labo. Go bloqué. Là, gauche. Venez là, monsieur. Je retourne la voiture, Il y en a 4 qui courent derrière, 5 qui courent derrière. Quels sont, vous êtes tout seul, j'en serais bien. Ouais, t'inquiète. S'il vous plaît, ils vont certainement prendre les Mogul RS, tout ça. Je suis sur les Mogul RS, t'inquiète pas, ma petite pépuce. Le 30, il y a une primo qui arrive également. Elle arrive sur vous, la primo. Je suis solo à pied. Pas trop. Hein. Y'en a un juste en bas là au niveau des. Tu l'as vu? Pourquoi j'ai une lecture de jeu aussi vive ça? Tout le monde, je veux toutes les unités en bas, à l'arrière du labo. En bas là, juste en dessous sur les. Ouais, sur le chantier là-bas. 113, faites un 10-35. Moi je vais bien, je suis sur les Impaler. Attends, il en reste pas à l'intérieur? Je te jure qu'il doit en rester à l'intérieur, je pense. Hein. Ok, reste sur. Oh putain, mais j'ai peur. LSD, mon commandant. Ah, ça va bien? Bah oui, en fait, y'avait des mecs en chantier. Et ils voulaient que je rentre dans le labo, du coup je suis rentré dans le labo, mais je suis ressorti 4 secondes après. Et ils m'ont pas suivi là-bas. Ils m'ont couru dessus. Il y a les collègues qui sont dessus. Ça se braque. Alors là. Ça se braque. Bah oui, allez, go. 602, alors là. Ah, mais je crois qu'il y en a toujours dans le labo, 26. Okay, mais c'est pas vos armes, on est avec vous, hein. J'arrive. Les collègues, on est là, je te jure qu'on est là, les collègues. On est derrière eux. Ils sont trop finitos, sa grand-mère la pute, les collègues. Je vous jure, on a trop l'avantage. T'es en train d'encercler la zone, hein. On est là. C'est nous, on encercle la zone, je te jure. Messieurs, c'est terminé. Eh oui, viens ici, arrête de courir. Cours pas, je te tue. Non, fais pas le con, qu'est-ce qu'il se passe? Le tiens pas, monsieur. Oh putain. Oh, la montagne, la montagne. Ah, la montagne. J'ai
fait le boulot. J'ai fait l'entrée. Ils sont comme la dernière fois pour se ticher là. Mais à chaque fois les marins, ils ont des gens, ils font le bac dans les petites hauteurs là. Je veux pas dire que c'est volontaire, mais quand même, à chaque fois quoi. Ça arrive souvent. Me dis pas qu'ils ont niqué tous les keufs. C'est vous qui êtes en train de faire allumer là, Route 108? C'est la vidéo, ouais. Et ça va, c'est... 104, t'as vidéo. Je crois que... Attends, le t-shirt qui est en jeu. Ah, ça continue à tirer pas mal. Aïe, aïe. Non putain le commando. Ah. Faites une globale s'il vous plaît. Oh, pardon. Oh, il a envie. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Oh, il est mort, il est mort. 77, on en a balayé sur à proximité. Il a pas vu. Drapeau blanc, lève les mains. Drapeau blanc, drapeau blanc. Vous voulez qu'on vienne avec vous? Oh, j'arrive. Ils viennent pas au lieu de... C'est cette autorisation d'intervenir? J'ai 5, il y a le commandant qui est en train de parler avec eux. 10-4. Où exactement, au cas où? En gros, il est sur la colline, la là où il y a un... La prochaine fois. Il y a un point GPS. Il y a un point GPS d'une voiture tout seul sur la colline... des caravanes. Ah mais je pense que... Et ça marche. Je pense pas... Moi, vraiment... Et vous prenez pas votre... Je pense que les maras, tu vois, genre c'est des... En mode, ils jouent bien RP et tout, tu vois, c'est des bons roleplayers. Je pense qu'il y en a place des petits gunfighters qui sont des bons roleplayers. Que tu peux être un gunfighter, ça serait un bon roleplayer, attention. Hein. Ne sortez pas les propos de mon contexte. Hein. Mais ça se voit, ils ont des bons petits automatismes. Ah, c'est... Affi ? Fréquence 5 ? Bon, eux, c'est moi qui les ai eus. Mais j'ai l'impression que c'est les seuls qui ont été eus. Ah non, il y en a un là. Ah, il y a une backup 3, donc on va y aller, hein. On est en civil avec 5408 et c'était 05. Peut-être je suis en patrol si tu veux. Bah, venez, venez, hein. Je sais pas si c'est nous qui avons commencé à tirer ou si c'est eux. Putain, j'appelle à mettre ça. Bougez pas, mon lapin, bougez pas. Oh putain. Oh non, oh là là. Oh les collègues, oh la putain. Quelqu'un qui passera durant rapidement qui fait le call, potentiellement le commandant pris en otage. Ah bah oui, j'ai fait dans potentiellement c'est absolument, il est pris en otage. Oh, putain, les mecs, ah non. Commandant. Ah non, c'est pas vrai. Non, ah. Oh c'est un massacre. Ah c'est un massacre. Commandant. Ah bah oui. Ah oh non, Riz, il est mort aussi. Ah commandant. La déo schlag mort. Commandant. Ah hey, Biz. Drapeau blanc. À droite, regardez, il y a mes victimes à droite, commandant, regardez mes victimes à droite. Ah y a les mecs au chantier, les mecs ont tenu le chantier. Ah ça va aller, ça va, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Attends. Ah Par contre, tu as sécuriser la zone AP et médecin. Ah, allez, ça va, la salle est rise. Je t'ai dit, les autres. On est nuls. On est nuls. Mais nous, on était avec les deux les Peaky Blinders là. Attends. Mais moi, je pensais que le danger il allait être sur vous en plus. Il y avait rien, que dalle. Comme ça, capitaine. Ça va aller tout le monde. Oh merde. Tonton. Commandant, ça va. Non. Dada. Non, mais l'autre enculé de 7-7 en radio. Eh, hey, commandant, vous voulez qu'on vienne? Une fois pas de réponse, deux fois pas de réponse, trois fois pas de réponse. Eh, hey, commandant, vous voulez qu'on vienne? Pas de réponse, pas de réponse.
Bon, je sais pas si j'ai l'autorisation qu'on vienne. Ah, nique ta grand-mère. Connard, tu sais pas combien sur tes interventions, arrête de te plaindre. Fils de pute, t'as pas de réponse, c'est qu'on est mort, c'est qu'on est mort, t'as pas de réponse. Ils avaient dit, viens sur ma backup. Ça va aller, vous inquiétez pas. Les collègues. Super. J'en ai eu 3, 26. J'en ai eu 3. J'en ai eu 1. Derrière. On a même pas eu le temps de tirer, nous. Ça va, vous allez bien, les collègues. Commence à réanimer, appeler les médecins. Attends, appeler les médecins, pareil. C'est qui ça? Oh, ça fait deux fois, j'en ai deux fois, c'est qui? C'est 98. Entre l'entier, chaque fois, ils sont 15, vous venez à 6. Mais les gars, c'est pas grave. Frérot, on a des radios, on a des backups, on a munitions quasiment illimitées. On commence, tu vois, Monta? Genre, Sarkov, ramasse-le, y'en a un dans les buissons là-bas derrière. Bah, y'en a deux, essaie de les ramener tous au même endroit, les blessés. Vaut mieux qu'on perde, tu vois, vaut mieux qu'il y ait un cyborg comme moi qui va faire des kills. Tiens le coup. Parce que je suis full stuff, ouais. Enfin, ouais, ça va, je sais pas. C'est la deuxième fois de la soirée que je me fais tirer dessus là. Il y a du gros calibre là, mon titi. Hein. Ça va aller, Riz. Ah, merci, tonton. Ouh là là. Arrête de te plaindre, enculé, parce qu'à chaque fois qu'on vient t'aider, tu te plains d'habitude. Oh, arrête, cette petite enculée, ça va, sac à merde, va, sac à merde. Bah, je suis pas l'espèce de gros connard là. Je suis nuancé goé en plus. Putain. Ton bonnet d'enculé. Aïe. Sergent. J'ai fait 4 ou 3. Ça va aller, ça va. Pour moi, j'ai fait 3. Pour moi, j'ai fait un spray transfert. Je suis en train de soigner un mec. Je me rappelle, j'ai fait ça. Mais c'est ça, pas le bon. Ça. Pas le bon. Si, c'est le bon. Allez, Brunner. Hein. Oui. Oh non, Brunner. Ma petite soeur, je l'aime. Ah. Oui. En fou de. T'inquiète pas, c'est le métier qui rentre, les gars. Sweet home Alabama. Allez, je te laisserai te poser à côté après au niveau de la voiture. Il me semble 3, il me semble. Tu m'entends, Winter? Commandant, vous auriez été là sans vous aurez trop rigolé, sérieux. Je suis stabilisé tes plaies pour moi. Vous m'entendez, capitaine? Ah ouais, c'était incroyable. Oui. Parce qu'en fait. En fait, commandant, ils avaient fait genre qu'ils étaient dans le labo et je savais qu'ils étaient pas dans le labo, vous voyez. Je reprends le relais. J'ai reçu un appel et tout en mode. Mais les pochons de LSD, bref. Du coup, je suis rentré dans le labo, mais je savais qu'une fois que j'allais rentrer dans le labo, ils allaient me niquer ma race. Du coup, j'ai fait semblant de rentrer et je suis ressorti au bout de 3 secondes. Et ils ont tous couru vers le labo, commandant. Ils ont vu qu'il y avait personne. Chill, enculé, c'est Austin. Oh putain, ça. Oh, y'en a. Eh, non, quand même. Austin. Ouais. Va bien, Rose. Je me lève, je t'encule, toi. C'est bon, bah, cette scène, tu peux le laisser au sol. Y'en a du monde, hein. Non, Roman, aide-moi. Roman, conseil pour Austin, cherche les trous, mets ton doigt dedans. Roman, aide-moi. C'est qui là? Les bonnes personnes, c'est Elena. J'ai des petits calibres pour toi. Oh, Elena. Oui. Je te pose à côté de Titi. Allez, Elena! Je t'ai juste stabilisé rapidement, petit bandage. Faut que les médecins s'occupent de toi. Reste assise. T'as dit quoi? D'ailleurs. J'ai dit, t'as pris des balles. Et Winter, tu restes assise. J'ai pris une balle dans la tête! Dans la tête! Ok? T'es blessé. Une dans la tête et une dans le cœur. S'il vous plaît, je peux pas bouger. Si jamais les collègues. C'est là. Je l'ai, commandant! Les photos, etc., faut le mettre dans le dossier de pied là-bas. Assis-toi, Daya! Quoi, mettez toutes les photos dans le dossier, hein, s'il vous plaît. On a grandi comme les princes de la ville. Capitaine, j'ai des requêtes. Allez, assis-toi, 02, on sait faire notre. Flo Corvette Ford Mustang. T'inquiète, on sait. Dans la légende. Je me suis dit, il fallait que je prenne un Segway Express. La police, tu l'as 6 étoiles. Ok, ouvrez pas notre dossier. Allez, va te faire. Putain, tu seras jamais Karim, voilà. C'est pas vrai. Le capitaine, j'ai une requête. Je sais jamais Karim parce que Karim était mieux. Oui, je t'écoute. Doter le HHP. Non, je vais mettre son héros. Elle aura pas de mari que son héros. Toi, pareil, petit calibre. Mais pose-toi à côté de Titi, je t'ai juste fait les stabilisations. Sont où vos blessures à vous, là? C'est qui tous là? À la chaîne que je vois, c'est mes victimes. C'est les Maras. Ils ont voulu s'en prendre à moi, 11. C'est la deuxième fois qu'on a voulu s'en prendre à vous. C'est encore des gens en bleu. Vous avez un problème contre les bleus? Ouais, tout à l'heure c'était les Creeps. Oui, c'est marrant, c'est que des gens en bleu. Pourtant, c'est que c'est les bleus, hein. Les belles bleues. Ils devraient croire que vous êtes avec eux. What the color? Le mec, c'est trop. Ok. Mets-la en rouge la prochaine fois ta voiture. Je vais la mettre en bleu et je vais lui retirer ses chaussures, comme ça je serai comme vous. Là, ils ont tous des chaussures là. Le SMD a été appelé? Oui, normalement oui, c'était magique, il les avait appelés. 08 11. Ok, ouais, c'était bien allongé. T'aurais vu quand il beaucoup au-dessus, 11. Oui, on était en train de gérer les deux là, les... au stockage Edoa, fais chier.
C'est mon loup. T'as pris des assauts, toi, c'est du recalibre. Ah, je vais prendre le. Est-ce que vous. Ce qui est le multipop là. Vous savez si c'est nous qui avons tiré en premier ou si c'est eux? Je sais pas c'est qui le connard qui va tirer. Je pense pas que c'est nous, non? Mais celui qui va faire un poule, je vais lui baiser sa mère au barrio. Tu vas rien baiser, tu vas rester en prison jusqu'à la fin de ta vie, petit enculé. Si, je vais te baiser ta mère. Tu vas rien baiser. Jamais. Avant que les médecins les emmènent dans les ambulances, procédure, donc palpation, etc. T'as pas c'est eux? Ah ouais? Bande de connards. Bien sûr, Diego, ne vous inquiétez pas. Beaucoup d'agents qui discutent et qui ne font rien donc. Doucement. Ça va aller. En vrai, ça m'aurait étonné que les cafés. On tire en prime. Ah, Guimau. En général, c'est pas trop le style des condés. Yaram, t'es mort. Que de blessés. Moins 3 et toi 30. Je sais pas. Ouais, un minimum. Oui, espèce de gros menteur. Dommage. Ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai capitaine. Pas possible, les calculs sont pas bons. Moins 3, ouais. 26, 2, toi 2. Un, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Il est fou, ce mec. Mais ça va pas, non? Ah, il va taper ce connard. Bah. Il a craqué, 85? Il a craqué? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Il est fou. 85, t'as. Ça y est, t'es lâché? Ah merde. Du mauvais côté. Merde. Mais qu'est-ce qui t'arrive 85? Non c'est bon, désolé les là, gars. Là tu sais que... Non, mais réponds, oui, mais réponds, réponds quand même, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, dis-nous. Je suis parti en couille et... Tout va bien. Non, y'a tout qui va pas bien, tu viens de frapper un blessé. Non, tout va bien. Ça c'est un acte... Attention hein. Là t'es un ripou là, en gros, là t'es un ripou. Ah là, ce que tu viens de faire en plus aux yeux de tout le monde. Tu vas devoir. Coup, tu t'es enchaîné, on a tu l'as acharné là, il y avait de la haine dans tes gestes. Non, je assure, tout va bien. Je suis désolé. Oui, mais tout va bien maintenant, mais pourquoi t'as fait ça? J'ai fait quoi? Tu l'as tabassé. Tu l'as tabassé? T'as mis au moins 3 patates. C'est qui? Bah, le blessé. Ah ouais? Non, mais c'est pas possible, t'as un genou. J'ai un fou ou quoi? Mais ça, c'est courant. En général, c'est comme. Oui, je vais demander de faire des tests. Oui, ben écoute, je t'arrête pour ripou. Cassier se moque d'un cassier. Non, je t'arrête pas. T'es bienvenue à bord. Bienvenue dans le bateau, quoi. Enfin, le bateau, je sais pas de quoi il parle. Oh là là, tu demandes pièce d'identité et après tu parles. Alors, toi d'abord, tes gros cheveux là, pièce d'identité, s'il te plaît. Tiens, toi aussi là, avec ta couette là. Ah, j'ai pas des gros cheveux. Tu m'as dit quoi? On va déjà pas le payer plus. Ok, c'est bon. Du coup, pour que on a un ticket d'ouvert, ok, sur l'intra, test DOA, vous récupérez toutes les identités. Pourquoi il y a un ticket d'ouvert et ils sont pas contents ou quoi, les maras? Commandant! Ah, c'est drôle! Vous l'avez ou pas, un commandant? Un dossier. Ah, un dossier, excusez-moi. Je vais le faire un ticket contre moi! Mauvaise cible, les gars! Commandant! Merde, putain! Oui, je l'ai, Riz, oui. C'est lequel, Winter? C'est con! Ah, c'est OPDO. Au quoi? Non, rien, non, rien. J'ai envie. Bon, genre, avec moi. C'est celui qui j'ai les mains dans le dos là. Présente-moi ta pièce d'identité là. Qui, moi? Ah oui, c'est à toi que j'ai les mains dans le dos. C'est bien les procédures comme il faut, s'il vous plaît, hein, chaque arme. Tiens, carte d'identité. Le coup là a été fait, donc si c'est pas fait, bah. Passe moi les doigts. C'est pas ce que tu crois, Max. Comment c'est pas ce que je crois, les frères Ibanez. T'as rejoint Aristote ou j'ai rejoint Aristote, je suis niveau 28. Non. Ouais, ils sont dans le monde. Non, c'est pas nous. Oui, je suis niveau 28. Qu'est-ce qu'il s'appelle à passer, les gars? Cassier de l'anche, carte d'identité, s'il te plaît. Et vous? Vous avez rejoué ou pas? Je fais une petite palpation, mon petit. C'est pas l'isio. Ah, c'est bon, pas l'isio. Cassier de l'anche. Ouais, attends, je la cherche. Tiens, là, actuellement, c'est pas l'isio Hiram, quoi. Hiram et l'isio. Je vais te saisir tout ça, mon petit Lizio, c'est pas mais bien. Ok, mais est-ce que vous m'en voulez si je t'ai pris GTA parce que je suis un peu fatigué? Que j'ai lancé à 18h. Moi je suis pas d'accord avec toi. Celui qui est tout à gauche là, monsieur. Approchez-vous avec les autres, s'il vous plaît. Attends, je me rapproche même. Au niveau des chaînes d'accusation, vous leur mettez la position. Bah, c'est quoi, rien pour la peine, rien parce que vous m'en voulez pas, je continue. Là-bas, à côté du. Pour l'instant, j'ai amené personne. C'est moi, 26, je m'occupe de lui. Ok, super. Bah, c'est quoi pour la peine, rien que parce que vous êtes content finalement, je cut.
mines, je les amende tout à la suite. Tous une mine 3, hein, je pense. Quoi? Quoi? Ouais. Faut voir le. Faut voir le... C'est pas mon capitaine! Max! Oui. Max, appelle pas ma soeur, bâtard! Je veux partir du coup, j'ai fait le coup pour la position d'armée de guerre légère. Pour avoir quoi cet été? C'est personne derrière, mais. Mmh. Moi j'ai dit en 3, 18 à 10 en nominal. Je sais pas. D'accord, très bien. Oui, on met rien de prévu. Après, vous savez comment je suis. Hein. Très bien, parfait. Vous savez comment je suis. En général, j'ai pas prévu de vacances. Et d'un coup, je vais me dire c'est bon, j'en ai marre, j'ai besoin de partir en vacances. Ta gueule 26. Qui a dit ta gueule 26? Qui? Adji. Ta gueule 26. C'est un des deux cons d'Ibanez, mais je sais pas lequel. Je crois que les deux, hein. Les deux gilets orange là. 26, un mot, je te jure, un mot 26. Hein. Ils ont déjà été blessés à l'arme lourde. Ça va aller. Ça va aller, je pense. T'es sûr, 26? Oui, ça va aller. Waouh. Pour qui a dit ta gueule 26 du coup? Personne, on est bien d'accord, hein. Bah, y'a pas de couilles là. 26, elle est capitaine, hein. 26, elle est capitaine, hein, je vous le dis. Hein? Ouais, d'ailleurs, pourquoi tu m'as pas tenu de capitaine? Parce que je pense que c'est pas l'essentiel, tu vois. Mais si, parce qu'au moins les gens ils s'identifieraient directement en capitaine. Arrête. Profite, merde. Ah oui, immersionne-toi. Tenue de capitaine. Tu vas partir du 21 au 31 juillet par hasard? Y'a quoi du 21 au 31 juillet? Tu vois ça? Ok, peut-être ce soir. Putain de merde. Tac. Vous avez été fouillé, vous, monsieur? Pris d'identité. Ah, il est pas là. Ouais, bien. Bon, moi je m'amène à l'hôpital, je vais dormir à l'hôpital. Bonne nuit, les collègues. Qui veut dormir à l'hôpital avec moi? Va te faire foutre, Riz. Niquez vos mères les marins, vous a bien baisé. Eh, vous avez vraiment cru que j'étais rentré dans le labo? Vous avez vraiment cru que j'étais con? On a convaincu qu'on les ramène. Deuxième vague là qui arrive, deuxième vague de marins. Vous avez vraiment cru que j'étais rentré dans le labo ou pas? Oui, on a cru. Mais ça y est de quoi? Ça y est de quoi? Je les baise, les marins, je vous baise. Achetez-vous des chaussures, bande d'enculés, va. Personne veut dormir à l'hôpital avec moi? On passera de voir à l'hôpital à un moment. Salut, Riz, à demain. Allez, ciao les. Hey, c'est plus les marabunta, c'est les marab. Je vous ai baisé, Unta. Ouais, t'es bof celle-là. Papa, ouais, pas la meilleure. Ouais, j'ai déjà fait mieux. Bogdaspi. Ah, les fils de pute. Ouais, je te jure. Ah, c'est beau pour ce soir. Ah. Wow. On arrive, Tyson. Tyson, on est arrivé. Waouh. Ah oui, c'est. On est où là? On est à l'hôpital. Alors on n'est pas à l'hôpital, on est dans l'hôpital. N'importe quoi. Notez bien les numéros de tirer. Attends, on est à quel étage là? Pour la PS. Je crois on est sous-sol là. Tu sais, c'est la morgue et tout. Ah, on s'est trompé. Il faut qu'on monte, non? Okay. Bonjour. Bonsoir. Excusez-moi, je dois dormir à l'hôpital. Je passe, ça passe. Ok, ah, il est pas mal. Ah, mais là, le tournant il va être dur. Hein. Ah, il est pas possible, je pense. Si vraiment, fait faire. Petit à petit, quoi, non? Vraiment l'abuseur que je pensais être. Ça passe. C'est un malade. Je pense qu'on va rester longtemps là à le faire le tournant. Ok, technique, pas mal le frein, pas mal. Ah bah alors celui-là. Non, celui-là il passe jamais. Hein. Dors, je suis concentré, c'est bon, ça te va? Je me gare ici, je pense que j'ai une personne. Non, là, je pense qu'il n'y a pas de personne manger dans ici. Non, normalement, vu que je suis keuf, j'ai le parking, ah, c'est oui, bon. Bah, oh, super, ben, génial. Ah, je suis 13, bien. Nickel, je prends le. Je prends le lit de gauche. Je prends le lit du fond! Ah, super,
Salut Tyson, à demain mon frère.